Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Il est 19h47. C'est Europe 1 que vous écoutez. Bon dimanche soir, bon courage à cette aventure. Vous travaillez ou vous apprêtez à partir travailler. La suite de ce Tout Info Tout Sport avec donc les meilleurs moments de vos émissions préférées. Nous revisitons vos différents rendez-vous. Et du lundi au vendredi, 14h-15h, vous avez rendez-vous avec Faustine Bollard. Jeudi, le thème de l'émission de Faut qu'on en parle était l'amour à tout prix. Jusqu'où peut-on aller? Que doit-on ou non pardonner? Faustine était en studio avec la psychothérapeute Yvonne Poncet-Bonisol. Eh bien, écoute, on l'a nous donné le profil type des gens qui sont prêts à tout accepter par amour. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Y a-t-il un profil type de personnes qui sont prêts à tout accepter par amour? Quel genre de gens est-ce que ça... Voilà, quel est leur profil? Tout accepter par amour. Alors, le profil, ce sont souvent des femmes, mais aussi des hommes, qui souffrent d'une manière un petit peu lancinante d'un manque de confiance en eux. Ils prêtent le flanc souvent à la culpabilité et ils ont aussi une mauvaise image d'eux-mêmes, bien souvent enfouie parce qu'ils peuvent réussir socialement, ils peuvent apparaître brillants, ils peuvent évoluer dans la vie avec une fausse identité, ce qu'on appelle un faux moi. Mais derrière ce faux moi se cache bien souvent une forme de mélancolie. Qu'est-ce qui va se produire? Ils vont être attirés par des êtres qui vont pouvoir faire taire cet aspect mélancolique. C'est-à-dire qu'ils vont investir en l'autre. Vous dites ils vont même tout que donner à l'autre. Que ces femmes ou ces hommes sont habillés de l'être qu'elles aiment. Ou oui, c'est-à-dire qu'ils incorporent, ils s'identifient à l'être qu'ils aiment pour pouvoir effectivement restaurer une faille narcissique qu'ils ont depuis très longtemps. Je veux dire, c'est une quête pathétique de reconnaissance. Pathétique? Oui, parce qu'elle date depuis très longtemps. Et ils peuvent accepter l'inacceptable et pour justement avoir des miettes de reconnaissance. Ils sont capables de tout sacrifier pour l'amour, de tout donner à l'être qu'ils pensent aimer et qu'ils habillent bien souvent d'habits féeriques parce que l'autre est idéalisé. Ont-elles conscience, ces personnes, qu'elles passent au-dessus d'une certaine morale ou qu'elles passent au-dessus de certaines choses ou pour elles ne le voient même pas? Pour elles, c'est l'amour à tout prix, justement. Alors l'amour à tout prix, comme je l'ai dit pour Monsieur Courgeot, c'est une forme de cécité. On ne voit rien, on est dans le déni de la réalité. Et on fonce envers et contre tout, car le plus important, c'est comme si l'autre était vital. C'était quelque chose d'indispensable pour sa survie psychologique et pour son équilibre affectif. On ne peut pas vivre parfois avec, mais on ne peut pas vivre sans. Donc, si on quitte l'autre, on se quitte soi-même, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si, effectivement, on se coupait un bras. Elles ont tout investi en l'autre. Elles ont tout donné à l'autre. Elles ont donné tout d'elles-mêmes. Elles se retrouvent vides. Donc, quand l'autre part, c'était un effondrement psychique, une perte de repère totale, parce qu'elles ne savent même plus qui elles sont. Elles ont perdu tout leur identité, ou une partie de leur identité. Mais l'entourage n'est-il pas là, justement, pour réveiller ces personnes, ces hommes et ces femmes, en disant, tu te rends compte ce qu'il fait, ce qu'il a fait, comment es-tu capable de rester avec cette personne? Est-ce que ça les secoue pas? Alors, l'entourage familial, amical, est toujours là, effectivement, pour tirer la sonnette d'alarme. Elles n'entendent pas. Parce que ce qui est plus fort, c'est la passion, c'est l'emprise. On est comme dans un phénomène sectaire, on n'arrive pas à s'en sortir. Elles sont là complètement à être, elles adhèrent à l'autre d'une manière épidermique et viscérale. Je veux dire que elles ne peuvent pas faire autrement. Elles ne peuvent pas faire autrement. Y a-t-il une raison psychologique qui expliquerait cette capacité à s'annihiler au profit de l'autre? Oui, alors c'est plutôt une dimension sacrificielle. Donc, qui est sacrificiel? On est sacrificiel, on donne tout, toujours, pour être reconnu. Et pour être reconnu, bien souvent, d'une figure parentale dont on n'a pas eu ce qu'on attendait. Donc, que ce soit imaginaire ou réel, on est toujours dans cette quête de reconnaissance affective et qu'on vous dise, mais vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Et ça, on veut pas l'entendre. Donc, on se trouve face à face avec des êtres qui sont un petit peu dévalorisés et qui ont une tendance très très forte à la culpabilisation. Donc ça revient, ça refait naître des blessures d'enfance. Oui. Alors les blessures d'enfance réémergent toujours à l'occasion d'une relation amoureuse, parce qu'on reproduit inévitablement un type de lien qu'on a connu enfant.
je dis bien un type de lien. C'est-à-dire que si effectivement avec votre papa il était fasciné, il était le plus beau, et que ce dernier avait une propension à avoir des difficultés à aimer, à vous regarder, eh bien c'est ce type d'homme que vous rechercherez tout le temps, avec quelqu'un qui est silencieux, qui est un peu froid, qui a tendance à vous culpabiliser. On recherche dans l'être aimé quelque chose qu'on n'a pas eu, qu'on aimerait avoir, et on reproduit un type de lien qu'on a connu. Oui, on fera une émission justement sur ces répétitions amoureuses. Donc on est capable de passer au-dessus de tout si on trouve dans ce regard ce qui nous a manqué. Voilà. Tout simplement. Vous dites qu'on parle même de quand ces personnes ne veulent pas voir à quel point cette condition est compliquée et ce qu'elles acceptent. On parle de déni psychologique. Oui, on est dans le déni psychologique parce que la réalité n'existe plus. Elles sont comme dans un délire amoureux. Et dans le délire, on est hors du champ de la réalité. Donc c'est un délire à deux où elles absorbent l'autre pour pouvoir enfin exister. Mais rien n'apparaît. Donc les conseils de l'entourage, les conseils familiaux, même effectivement des éléments que ce soit légal, c'est-à-dire si il leur arrive qu'un des partenaires soit violent ou condamné par la justice, quelque part, elle excuse. Il y a toujours une excuse. Toujours une excuse. Elle pardonne et elle revient. Il y a des coups, mais c'est pas grave parce qu'il était fragilisé. Il était pas bien. Donc, l'autre est de toute façon, quelque part, materné malgré tout. Materné. On le materne, on le protège. Voilà, un extrait de Faut qu'on en parle. C'était jeudi entre 14h et 15h. Thème l'amour à tout prix. Faustine était en compagnie de la psychothérapeute Yvonne Poncet-Bonisson. Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Elsa Fayer. Ouais, tiens, on va commencer par elle. Rachel Bourlier. Jean-Luc Lemoyne. Jérôme Bonaldi. Pierre Bénichou. Et à la cymbale, puisque c'est là où vous l'entendrez, Mustapha El Atrassi. J'ai enfin réuni Elsa Fayer et Rachel Bourlier parce que je sais qu'Elsa était un peu jalouse de votre venue dans l'émission il y a une dizaine de jours. Elle nous a dit pourquoi vous avez pris Rachel Bourlier, je suis là. C'est surtout ce qu'elle a fait à l'antenne. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai trouvé ça assez culotté. Elle vous a embrassé sur la bouche alors que vous connaissez à peine. Bah oui, mais elle est comme ça. Hein. D'ailleurs, nous aussi, on se connaît à peine, Rachel, finalement. Attendez, on a 2 heures ensemble là, on sait pas ce qui peut se passer. Ah bah, dans la première demi-heure, normalement, tu devrais être servi, toi. Mais t'embrasses pas mal de monde, je l'ai vu embrasser Thomas Sisley aussi. Non, il m'a embrassé, c'est pas pareil. Vous avez eu des échos de votre premier passage chez nous? Oui, absolument. Bouvard l'a appelé, il avait absolument. Non, ça a été. Mais t'aurais pu quand même nous le dire que t'allais. Tu faisais partie de la bande de Laurent Ruquier. Je sais, mais écoutez, je suis pas au courant, donc moi j'ai. Enfin, c'est pas comme il y a non plus, hein, tu sais, quand tu vas chez Ruquier. Non, mais il y a eu de la presse qu'on a parlé, et comme moi j'en ai pas la personne, on m'a dit t'as des secrets comme ça, tu nous dis. Ah oui, ça je me suis étonné. Ça c'est signe des chroniqueuses ou des chroniqueurs malins. C'est-à-dire que quand au bout d'une émission, vous avez déjà un article dans un magazine qui dit Rachel Bourlier avec une photo intègre la bande à Ruquier. Il y avait une photo? Ah oui, il y avait une photo. Mais dans quoi? Ah, je sais plus. Ah bah, ici Paris. Rachel, celle que vous avez envoyée, rappelez-moi. Mais justement. Mais moi dans la paranoïa, j'ai même appelé voilà quelqu'un de l'équipe en disant écoutez voilà, moi je comprends pas. Le journal de sportif. Bon, en tout cas, je suis contente d'être là. Je vois qu'on risque de me casser mais les deux genoux. Qui est Rachel? Sur qui on fait des articles dans les journaux, tout ça, je ne la connaissais pas. C'est utilisé par Paris Boom. Où elle a fait une apparition absolument remarquée. Ah. Et comme tel un météore, sa première émission. Mais je ne savais pas Rachel qui elle était. Animatrice sur Direct 8. Sur Direct 8? Oui. Oh! Mais un jour, j'aurai la télévision, moi aussi. Vous connaissez d'autres choses sur Rachel Bourlier? Exactement, c'est une ancienne danseuse du Crazy Horse qui a pris la succession de Love Amour à l'époque. Et qui après s'est reconverti dans la télévision. Ah. Et Pierre, je suis surpris que tu ne la connaisses pas. Mais non, vous n'avez jamais été au Crazy Horse. Si, on l'appelait Rita Balthazar. Et Jean-Luc était là tous les soirs. Vous la connaissez alors, Jean-Luc Lemoyne, Rachel Écoutez, Bourlier? J'ai eu le plaisir d'être reçu dans son émission. Ah, vous aussi, vous allez trouver ça bizarre. Hein. Oui, non, ce qui c'est le genre d'émission dont on se souvient. Mais moi, j'aime beaucoup Direct 8 parce que c'est surtout quand il y a du
public. Ah oui. C'est-à-dire qu'à l'écran, il y a beaucoup de public, et en fait, ils sont quatre, mais ils sont cadrés en gros plan. Ouais. J'ai même cru à un moment donné que Direct 8 allait nous piquer définitivement Daniel, oui. qui est dans le public aujourd'hui, qui fait son retour. Ah oui. Elle a été absente pendant près d'une semaine, j'ai cru qu'elle avait été enfermée à Direct 8. Enfermée par Morandini? Parce qu'on voit qu'elle, c'est l'animatrice principale. C'est celle qui a le plus d'heures d'antenne sur Direct 8. Mais moi, je dis, faut bravo, quand même Daniel. La seule qu'on voit le plus longtemps, plus de 2 heures par jour sur Direct 8, c'est Daniel. Parce qu'on croit qu'elle est fidèle à notre émission. Mais non, elle est fidèle à tous les micros, toutes les caméras, toutes les émissions. La même bonne femme que vous voyez partout. Mesdames et messieurs, il faut vous le dire, c'est elle, c'est Daniel qu'on applaudit. Bravo, bravo Daniel. C'est vrai. Un don du ciel. Elle est en train de devenir la femme la plus célèbre de France. Mais elle a des clones sur toutes les chaînes. Ah non, elle enchaîne fou. Le but. À mon avis, ce sont des triplés. C'est possible, ouais. Vous avez des sœurs cachées, vous nous avez rien dit, Daniel. Parce que Bouvard la connaît aussi aux grosses c'est têtes. Pas vrai. Si, je vous jure. Elle est aussi chez Bouvard. Et Stéphane Bern à France Inter. Hein. C'est même elle qui dit à Stéphane Bern, il va arrêter l'émission. Hop, l'autre appelle tout de suite. Il paraît que Bern est déjà sur le coup de mon appartement. Je vous jure, elle lui raconte tout. C'est incroyable. Mais si, c'est comme ça que ça se passe. Vous savez comment un de mes amis, qui s'appelait Étienne Rodagil, disait qu'un quelqu'un le plagiait. Vous savez comment il disait, le jour où je mettrai de la merde dans ma poche, il va avoir les mains sales, celui-là. Un hommage à Thierry Gilardi, tout le monde en parle depuis hier soir, mais Jean-Luc Lemoine, vous qui êtes notre spécialiste football dans cette émission, j'imagine que vous appréciez vous aussi ce commentateur. On répète beaucoup qu'il était à TF1 ces dernières années, mais enfin c'est surtout Canal+, qui pendant près de 20 ans a été son employeur. Je me rappelle, j'écoutais les multiplex sur France Inter avec Jacques Vendroux, et c'est vrai que il nous accompagnait dans le foot depuis longtemps. Puis en plus, ça avait l'air d'être quelqu'un de plutôt agréable d'après tous les témoignages. Moi, j'avais croisé une fois, et c'est vrai qu'il dégageait un truc très 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 positif et tout. Et il avait ce talent pour rendre intéressant des matchs qu'il n'était pas toujours. C'est vrai. Oui, parce qu'il avait cet enthousiasme, cette façon de s'emballer, de commenter, de faire vivre les matchs. Qui le rendait beaucoup moins dépressif que Jean-Michel Larquet, par exemple, et c'était très agréable à écouter. Bah là, Jean-Michel Larquet n'est pas dépressif, mais en tout cas, il est énormément peiné. Il n'a pas pu réagir encore pour l'instant, évidemment, à la disparition de Thierry Gilardi. Puisqu'on est dans le monde des médias, Pierre Bénichou, vous avez un nouveau patron, nouvel observateur, dites donc. Oui, enfin, c'est un patron qui a été choisi par le patron. C'est-à-dire, c'est un signe de bienvenue. Je pense que ça, si tu voulais l'accueillir chaleureusement, tu pouvais pas faire mieux. Monsieur Oliven. Pas du tout, Monsieur Oliven. D'abord, c'est un camarade, mais en plus de ça, c'est quelqu'un de tout à fait bien. Mais quand on dit un nouveau patron, en général, ça veut dire que l'autre patron a été chassé. Là, c'est un patron choisi par le propriétaire et qui a été le patron longtemps et qui passe la main, quoi. C'est pas. Oh, il y a une petite déprime là, je pense. Oh, ouais. Bravo, Pierrot. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens, je t'emmène au carré. Ah, ok. Vous savez qu'on vous aime ici, Pierre. Ouf. Ah, si. Faut le prouver. Non, bah écoutez. Il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Ah, bah ça y est, elle va s'en charger, Rachel. Ah, ça y est, je reconnais Rachel à son visage. Oui. La dernière fois, c'était la première fois que je la voyais habillée. C'est pour ça. Mais oui, parce que vous voyez sans arrêt au Crazy Horse. Vous aussi. Un mot aussi. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin le numéro 2 chinois invité chez Jean-Pierre Elkabbach. Ça, c'était quand même l'interview de la journée, je dois dire. Vous n'avez pas entendu ça? Non. Ah, énorme, énorme. L'interview du numéro 2 chinois par Jean-Pierre Elkabbach, monsieur Gu Xing, qui est numéro 2 de l'ambassade de Chine, hein, pas numéro 2 chinois, mais numéro 2 de l'ambassade de Chine en France, qui n'arrêtait pas de comparer le Tibet à Villiers-le-Bel. Quel rapport. Ça, ah ben, il disait à Jean-Pierre Elkabbach, mais est-ce que vous n'avez pas utilisé l'armée à Villiers-le-Bel? Non, Elkabbach s'énervait, à juste raison, en disant, mais enfin, vous pouvez pas comparer le Tibet à Villiers-le-Bel. Si. Jean-Pierre Elkabbach dit, mais nous, on n'a pas envoyé les chars à Villiers-le-Bel. Si, mais nous, c'est pas des chars, ce sont des voitures anti-émeutes, comme vous. non, mais ils sont forts, les Chinois, quand même. Ouais, nous n'avons pas des leçons à recevoir de la France. Je ne dis rien sur les gens de l'ambassade de Chine. Ah, pourquoi? Parce que il m'est arrivé une mésaventure il y a une vingtaine d'années. Je jouais très bien au ping-pong. Bon. Et un jour, nous allons à une soirée chez un de mes amis, du Nouvel Observateur d'ailleurs, parce qu'on en parlait. Il s'appelait Guy Sidbon. Et il était très, 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 très ami
avec ce type de l'ambassade de Chine, qui était numéro 2, numéro 3, qui nous a donné des informations. C'était la Chine de Mao, c'est très très dur. Et les informations, ils nous donnaient des visas pour qu'on y aille, ça. Puis ils parlaient d'un tas de choses avec nous. C'était un truc, en plus, c'était, ils s'occupaient beaucoup de choses militaires, surtout. Et puis, il y avait une table de ping-pong. Et on y joue au ping-pong avec tout le monde. Et ils montrent à quel point le ping-pong chinois est le meilleur du monde. J'arrive, je le bats. Aïe. Il s'en va. On l'a plus jamais revu. J'ai fait fuir toutes les sources d'informations sur la Chine de Mao à la presse française en France pendant les 10 ans qui ont suivi. Ouais, ouais. Non, mais c'était à mourir de rire. C'est l'homme qui valait 3 milliards, Pierre. Qui, les Chinois, on peut difficilement leur donner un âge, étant donné qu'on ne voit pas tous les jours. Non. Mais il non, mais c'est vrai, je veux pas dire les Chinois, les Noirs, les Malins. C'est vrai que c'est difficile de savoir si un type a 42 ans ou 60. Bon. Et donc, mais il avait l'air d'un notable de ce régime, comme ça. Peut-être qu'il était Et tout d'un coup, il a pris une fureur de bébé. Peut-être parce qu'il avait. Une fureur de bébé. Il dit, non, t'es même pas. Peut-être parce qu'il avait 90 ans. Peut-être. C'est pour ça que vous l'avez battu, non? Puisque vous parliez sport avec le ping-pong, oui. Ma première question concernera justement le sport et notre nageur, recordman du monde de natation. Alain Bernard, qui a déclaré à son propos, il me fait l'effet d'être mi-homme, mi-poisson. Il est superbement carrossé comme une voiture de course. Je me demande si c'est quelqu'un de bien intelligent, parce que de dire qu'un grand nageur a quelque chose d'un poisson et qu'il est une voiture de course parce qu'il va vite. Trouvé, parce qu'il fallait y penser. Mi-homme, mi-poisson. C'est malin. Hein, c'est un sportif. Philippe Lucas, sportif. Quelqu'un qui est proche pas du Philippe sport. Lucas, proche du sport. Pas vraiment, mais en même temps, oui. Un peu ministre quand même. Un peu ministre quand même. Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot. Bonne réponse. C'est le ministre quand même qui m'a mis sur la voie. C'est marrant, vous avez dit du mal de sans penser à elle. Ben oui, mais pourtant. Et encore, j'ai enlevé une phrase parce que. C'est l'aviateur de Roselyne Bachelot. Pour j'ai enlevé une phrase parce que autrement vous allez tout de suite deviner qu'il s'agissait d'elle. J'ai enlevé la phrase du milieu. Elle a exactement déclaré au journal L'Équipe. Il me fait l'effet d'être mi-homme, mi-poisson. Son aérodynamisme dans l'eau me laisse rêveuse. Oh, il est superbement carrossé comme une voiture de course. Incroyable. Non, elle a envie de faire un tour, je crois. Elle fait du stop devant c'est la piscine. Incroyable, hein, quand même. Ouais. Alors, elle est toujours un peu émue, on va dire émue. Elle est souvent émue. Hein. Aérodynamisme dans l'eau, et ça sert pas à grand chose. L'aérodynamisme dans l'eau. Pourquoi parce que l'aérodynamisme, c'est l'air. Oui, c'est vrai. C'est l'hydrodynamisme, oui. Ah ouais. Remarquez, elle s'en fout, elle flotte. Oui. Il y a quelque chose qui m'inquiète quand même à propos d'Alain Bernard, parce que on nous dit que dimanche soir à Eindhoven, le dauphin d'Antibes, comme on l'appelle déjà, a tenu à jouer la transparence sur son suivi longitudinal, c'est-à-dire ses contrôles antidopage. Mais malgré ça, ces contrôles et ce suivi longitudinal révèlent qu'il bénéficie d'une autorisation à usage thérapeutique pour traiter un asthme à l'effort détecté il y a 2 ans. Ça, moi, ça m'inquiète toujours. Dès qu'il y a un sportif asthmatique, je me dis, oula, c'est bien de le dire, mais quand même, un sportif asthmatique, ça me paraît toujours suspect, moi. Non, il y en a assez avec ces contrôles, ces dopages, ces machins. Il est bien évident que c'est pas un type dopé. Il est bien évident. Il est juste asthmatique. On l'a vu ses médicaments et sa combinaison. Et il fait 3 minutes au 100 mètres. Jean-Luc, la masse musculaire quand même, c'est pas la créatine ça? Enfin, il a le muscle. Tu me demandes à moi pourquoi parce que je suis Jean-Luc. Parce que tu lis L'Équipe tous les jours. Parce qu'il faut un créatin pour nous répondre. Non, mais visiblement, il bosse énormément et puis il a des prédispositions que je n'ai pas, par exemple, pour avoir cette envergure. On parlait pas de toi. C'est pas le sportif qu'on interrogeait, c'est le spécialiste de sport. Ce qui est terrible, c'est que là, tout le monde était béat, et ça, c'est très français. Au bout de 2 jours, on dit, bon, bah, ce qui a réussi tout ça, c'est qu'il est dopé. Ouais. Et si on profitait 2 secondes, on a un grand champion, on a une chance de médaille aux Jeux Olympiques. Il a été contrôlé. Je ne dis pas qu'il est dopé du tout. Je dis simplement que j'aime pas voir à propos d'un sportif qu'on nous dise, qu'on nous révèle qu'il bénéficie d'une autorisation à usage thérapeutique pour traiter un asthme à l'effort détecté il y a 2 ans. On nous prépare. Voilà. Alors moi, je vais vous dire une chose, je m'en fous totalement parce que encore me prouverait-on qu'il prend des produits qu'il ne doit pas prendre,
je m'en foutrais totalement, je suis comme ça, je suis en contradiction avec tous les sportifs qui me disent, mais comment, mais machin, supprimer le vin rouge à Baudelaire, il va écrire quoi? Non, mais moi, ce que je trouve bien avec Alain Bernard. Ils ont besoin de ça, ils prennent un peu de dopage. Et alors? Non, mais avec Alain Bernard, c'est formidable aussi. C'est totalement. Le côté, le baron de Coubertin a dit, l'important c'est de partir pisser ou je sais pas de quelle connerie. je m'en fous. Je m'en fous totalement. Ce qui est con, c'est que quand même, les boucheries Bernard soient pas des poissonneries, ce serait bon pour leur publicité. Une autre question. 79 793 personnes ont applaudi ce chanteur ce week-end. De qui s'agit-il? Français. C'est pas Barbelivien? Non, non. Et c'est un Français? Non. Non, c'est pas un Français. Oui, c'est un Français. Un Français. Ça se passait en France. Ça se passait en France le week-end dernier. À Paris. 79 000 personnes. Même pour être très précis, 79 000, c'est rare quand on nous donne ce nombre précis. 79 793 personnes ont applaudi ce chanteur ce week-end. En une fois. C'est un chanteur. C'était à la télé, hein. Franck Michel. Ce n'était pas diffusé. Ah, quoique peut-être on l'a vu. Ah, c'était sur Direct 8. Non. c'est un chanteur très jeune. D'ailleurs, dans les 79 793, au premier rang, il y avait Daniel. C'est un jeune, donc c'est un ancien chanteur. Non, c'est un chanteur actuel. Raphaël. Pourquoi Raphaël? Je sais pas, parce qu'il est actuel et je crois qu'il était sur scène la semaine dernière. Vous avez une partie de la réponse, vous avez le nom du chanteur, mais encore faut-il m'en dire un peu plus. Ah oui. Alors, il était sur scène pour... C'était une œuvre caritative? Pas du tout. Non, il était juste en train de faire un concert. Il était pas seul? Non. Il faisait une première partie. C'était pas un concert, il a fait trois chansons seulement. C'était pas dans une émission de télé? Non plus. Ouais. C'était pas le Cid Action? Non. C'est samedi prochain, le Cid Action, et ça commence à partir d'aujourd'hui, et Europe 1 y est associé. C'est dans un stade? Dans un stade. De foot? Non, stade de France. Alors, c'est un stade parfois de foot, parfois stade de France. C'était pour le match de stade français, stade. Ah oui, avant le match de rugby, le 500e match de rugby. C'est lui qui avait été choisi en préliminaire du match de rugby, effectivement, de ce week-end. Stade français, stade toulousain. Excellente réponse de Mustapha et la traite. J'ai un quart de réponse. Oui. Je sais, vous nous confondez encore, mais moi c'est Jean-Luc Lemoyne, hein. C'est pas Mustapha El Atrassi. C'est quand même lui qui a dit stade français, stade Toulouse. Il y a des préférences quand j'ai même. J'ai demandé si c'était un stade. Voilà. Ah bah oui, c'est ça. Et Raphaël, de toute façon, on l'écoute maintenant. La vitesse et de l'ombre, le temps des lettres jetées au feu, le temps où on était heureux. C'était le temps des bords de mer, le temps des 15 pour des prévets. Je revois tes cheveux défaits dans la chambre d'hôtel tu jouais, et moi sur la banquette arrière. Vive le vent de l'hiver, tout retourne à la terre, les loups.
Raphaël qui a donc chanté devant plus de 70 000 personnes. C'est un nouveau record d'ailleurs pour ce match de rugby, nouveau record d'affluence pour un match de championnat et un match de rugby. À chaque fois, il réussit son coup sous la pluie, hein, quand même. Bon, oui. Raphaël, ça lui va bien la pluie. Pour... Je dis pas qu'il chante faux, hein, mais je veux dire par là qu'il a, il a pas une gaieté. C'est déprimant. Voilà, il a pas une gaieté folle quand il chante sous le soleil, ce serait pas bon. Ah bah non, quoi. Ça va pas. Alors que, Raphaël, il a la dépression qui va avec. Voilà. C'est surprenant ce choix parce que c'est vrai que ça plombe un peu l'ambiance pour mettre la pêche au rugbyman. Raphaël, bah quand même. Mireille Mathieu, ça aurait été mieux. Non ça change de Gloria Guénard. C'est quand même formidable ce type qui préside aux destinées du stade français et du rugby en France. Stade français dont Thierry Gilardi, je l'ignorais, était vice-président. Oui. Thierry Gilardi, c'était pas un footeur, c'était un rugbyeux, si on peut dire. Il était très rugby au départ. Il avait joué au rugby, tout ça. Pauvre Thierry. Hein. Non, mais alors, je parlais de ce mec-là qui est le patron, je ne voudrais pas dire son nom, du stade français, là. Il les met en rose, et il leur donne, il les fait poser à poil, et il leur met comme pour faire tourner les serviettes, tu vois, le genre de type qui va à la chose, il leur met Rafale. Mais je veux dire, mais où ça va, ça? Et quand même, ils arrivent à gagner 29-0. Il y a du dopage là-dedans. Autre question, qu'est-ce qui va passer de 22 à 23 euros? La place de cinéma? Non. Le médecin, les remboursements par la sécurité sociale. La consultation chez le médecin. Le médecin, bonne réponse de Rachel Bourlier. On voit que Elsa Fayet n'est pas allée au cinéma depuis un moment. Ouais. Dieu sait que le cinéma est trop cher, mais quand même 22 euros la place de cinéma. Non, mais j'ai compté les popcorns, la boisson. C'est parce qu'elle a invité, elle paye les matchs dans un avant-première. Ah non, depuis que je ne suis plus sur France 2, je paye mon cinéma. Ah oui, c'est fini. C'est vrai? Les petits privilèges. Racontez. Les séances à la Gaumont avec 4 sièges. Qui tourne, c'est terminé. Vous retournez voir Rambo maintenant? Ah, moi, alors. Je vais voir Rambo, je suis allée voir Rocky, je vais voir tous les navets, je paye ma place, j'achète mes pop-corn, je peux les croquer en pleine salle sans me faire engueuler par un journaliste derrière. Enfin, quand même, vous devez savoir que c'est pas 22 euros la place de cinéma. Non, je suis allée un peu vite. Mais j'avais peur de me faire doubler par Rachel, j'ai une pression dans cette émission. Eh bien, c'est une bonne réponse, puisqu'effectivement, c'est la consultation chez le généraliste qui pourrait passer de 22 à 23 euros. C'est la ministre de la Santé, Mme Roselyne Bachelot, qui l'a annoncé hier, en tout cas elle a ouvert la voie à cette possibilité, estimant qu'il n'y a pas eu de dérapage des dépenses de l'assurance maladie depuis le début de l'année. Bonne réponse de Rachel Bourlier. Bravo. Bravo. Dans la presse, on peut voir en photo aujourd'hui un homme qui témoigne. Il s'appelle Maurice Grimaud. Il montre une photo d'époque sur laquelle on peut le reconnaître. De qui s'agit-il? Bah, Maurice Grimaud, c'était le préfet de police de mai 68. Excellente réponse de Pierre Bénichoux. Ah, mais mai 68. C'est l'homme grâce à qui mai 68 a été la seule révolution sans mort. Enfin, ici, il y en a eu un. Et il avait une. Il m'avait expliqué ça en mai 68, je l'avais interviewé. Il m'avait dit, on se plaint qu'il y ait beaucoup de police. J'en mets le plus possible, le plus possible, le plus possible, parce que c'est le seul moyen que les flics n'aient pas peur. C'est quand les flics ont peur qu'ils tirent. Mmh. Et quand ils sont contre 500 manifestants, qui sont sans 300, ben ils n'ont pas peur et il n'y a pas de risque de bavure. Sans qu'ils sont 40, les Français auraient applaudi, quelle économie, machin, c'est bien la liberté, machin. Mais les 40, ils ont peur, ils sont acculés, ils tirent. Et c'était un génie, ce mec. Mmh. Pas moins de 8 ministres devraient accompagner, je change de sujet, vous le remarquerez, le président de la République à Londres. C'est le Canard Enchaîné qui nous donne la liste exacte des ministres qui iront là-bas en Angleterre avec le couple présidentiel. À votre avis, qui y va? Tiens, d'ailleurs, première petite question comme ça, Ramayal. Subsidiaire. Alors, Ramayal, oui, parce que la question des droits de l'homme en Angleterre, c'est important. C'est vrai. Je demande qu'est-ce qu'elle fout du... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, mais ça plaît beaucoup, ce genre de femme. Ramayal, Dieu sait, estimable, Dieu sait, jolie, tout ça, c'est tout à fait anglo-saxon d'avoir comme vitrine une femme comme ça. Alors, Ramayal, qui d'autre? Rachida Dati est obligée comme conseillère technique pour la mode. Il y aura du bait. Il y avait dans Patrick Besson, que t'aimes beaucoup, il y avait dans sa chronique, elle était habillée comme ça, en bleu et blanc, en vert et gris, et Rachida Dati en rouge à lèvres et noir. C'est formidable. Alors, Madame Dati, Madame Ramayad. David Martineau. Non. Il y aura Kouchner pour les affaires. Il y aura Kouchner. Logique. Il y aura de l'économie. Il y aura Madame Lagarde. Voilà. Il y aura Madame Alliot-Marie, Monsieur Darcos, Monsieur Hortefeux et Monsieur
Hervé Morin. Bah, on va pouvoir faire les cons, dis donc. Il y a plus le ministre de l'Intérieur. Il y a plus le ministre. Tu peux faire ce que tu veux. Il y a juste Fillon pour faire tout, le maintien de l'ordre, le machin. Non, moi, je vais faire une surprise partie chez moi. Plus personne va me faire chier. Non, mais c'est vrai, ils s'en vont tous, ils sont fous. S'il se passe quelque chose à Paris. Bah, Monsieur Fillon est là quand même. Monsieur Fillon est là, mais Monsieur Fillon tout seul, qu'est-ce qu'il peut faire? Bah, quand même. Il n'est pas assez nombreux. Quand même, il est Premier ministre, je vous rappelle. Puis d'accord, mais est-ce que les autres n'ont pas caché les clés des commissariats ou des trucs comme ça? Imagine Agnès Marie, elle laisse pas les clés. Hein. Agnès Marie, vous l'avez vu à la Foire du Trône? Oh, tiens, un stand, c'est pas vrai. Le stand de kebab. Ça, c'est les pommes d'amour, là. Ah, elle est géniale. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Elle a inspecté tous les manèges. Elle en a fait ou pas? Elle a testé les attractions? Je crois pas, quand même. C'est drôle. Elle est avec accompagné, flanqué du fameux Campion. Ah oui, qui est quand même énorme. Oh, le Campion, c'est quelque chose. Elle lui a parlé de son problème de son frère, la chasse à l'homme. Il paye des gens, elle est wanted, comme au temps du Far West. Ah, mieux que ça, il a même fait une sorte de je sais pas si vous avez vu, de chaise électrique sur laquelle il a mis un mannequin en réclamant que la peine de mort soit rétablie. Je m'étonne même, moi, qu'une ministre d'État soit accompagnée, oui, tout président des forains qu'il soit, qu'une ministre d'État accepte de visiter la Foire du Trône avec un type à côté d'elle qui réclame le retour de la peine de mort, qui fait une sorte de statue avec une chaise électrique et un mannequin dessus, tout sous prétexte qu'effectivement... Oh, mais elle a cru que c'était un train fantôme. Son frère avait été saucissonné, mais votre indignation est de très bonne. Loi, c'était un peu ce qu'on voulait dire avec notre ami, c'est-à-dire que c'est... Oui, sauf c'est que moi, je le dis. Non, mais je ne vous fais pas le reproche, de quel droit. Mais je trouve en effet que c'est assez farce, quoi. Alors, j'en reviens à mon voyage en Angleterre, si vous le voulez bien. On oublie Madame Michèle Alliot-Marie à la Foire du Trône. D'ailleurs, ça va être aussi la Foire du Trône, mais en Grande-Bretagne cette fois. La Foire, évidemment, tous les journaux nous le disent, que Monsieur Sarkozy et son épouse fassent très attention au protocole, respectent les règles. Vous avez vu toute cette liste incroyable. C'est un peu ridicule, quand même. Ouais. C'est un peu ridicule que ce monsieur Sarkozy est un garçon de bonne famille. Madame Carla Bruni, n'en parlons pas. Ce sont des Français. Ce sont pas des Zoulous qui ont été élevés dans un truc révolutionnaire là et dans un bon sang l'autre. Ils vont savoir quand même prendre leur tasse de thé et dire c'est s'incliner devant la reine. Mais par exemple, on n'a pas le droit de dire. On est là, on s'en fait un monde. Ils vont en Angleterre. Ah. Oh là là, pourvu qu'ils soient à la hauteur, oui. Non, ils vont péter partout. Enfin, je veux dire, c'est facile d'aller mais en Angleterre. Il y a des choses à respecter qui sont hallucinantes de nos jours. On n'a pas le droit d'adresser la parole à la reine avant qu'elle nous questionne. Mais une fois que tu le sais, c'est fini. Rachel. Non, il faut faire également, je crois, la révérence. Oui, c'est normal. Pas les femmes. Il ne faut pas s'avancer. Il ne faut pas aller vers elle. Il faut pas que elle vienne vers elle. Il ne faut pas lui faire. Elle. Approche un peu. Faut pas toucher. Vous avez raison, Pierre, c'est des choses un peu banales, en fait. Mais c'est une banalité folle, en fait. Oui, mais parfois, il faut rappeler... Il a tendance à être un petit peu familier, de temps en temps. Il a tendance à être familier. Ah bah oui, on avait quand même la marquée. Alors, au bout de deux secondes, il appelle Babette, ça peut poser un problème. Pour Munich, quand Daladier est allé rencontrer Hitler, on a fait moins de trucs. Est-ce qu'il saura bien lui parler? Mon Dieu, quelle horreur. Mais quoi, la reine d'Angleterre? C'est quoi, la reine d'Angleterre? La reine d'Angleterre? C'est jamais que la reine d'Angleterre. Et Pierre, même Jacques Chirac, qui sait bien se tenir, avait fait une gaffe. Il a touché l'épaule. Non, l'avant-bras. L'avant-bras, tu touches l'avant-bras, toi. Et ben, ça... Direct la cuisse. Pour une fois. Pour une fois que le président Chirac touchait et qu'on avait les preuves. Alors, justement, et oui, ça lui arrive d'être trop familier, le président de la République. Le Canard Enchaîné nous le raconte encore. C'est arrivé, on n'a pas vu les images parce que c'était hors caméra, au plateau des Glières, au lieu de la Résistance, là où on a vu un peu glissé, vous savez, dans la neige. Il était à l'intérieur encore du cimetière et certains anciens résistants de la Deuxième Guerre mondiale ont un peu répété ce qui s'est passé et se sont un peu plaints du laisser-aller du président de la République qui, paraît-il, essayait de blaguer, riait à l'intérieur même du cimetière, ce qui se fait pas vraiment, surtout quand on est en représentation officielle. Et par exemple, à un ancien résistant qui lui a fait remarquer la présence de
deux républicains espagnol parmi eux, parce qu'on avait appelé comme ça une quinzaine d'anciens résistants au dernier moment pour accompagner le président sur ces différentes tombes des maquisards tués au combat, hein, puisqu'il y a plus de 105 tombes, je crois, qui sont là-bas dans ce cimetière des Glières. Et alors là, il y a un ancien résistant qui dit « Je tiens à vous faire remarquer la présence parmi nous de deux républicains espagnols. » Et là, le président répond « En plus, je défends les Espagnols, mais les Italiens sont pas mal non plus maintenant que je suis marié à une Italienne. » Et il part à éclater de rire. Non. Si, bah, c'est écrit, en tout cas, je cite Le Canard Enchaîné. Il fait connerie sur connerie. Donc là, bon, un petit malaise. Ouais. Sarkozy, à un moment donné, fait à une dame, « Ce rose vous va très bien, je n'en tire aucune conclusion politique. » Il fait du Ruquier. Pardon. Il fait du Ruquier. C'est ça, ouais. Bah, tant qu'il fait pas du Fire, ça va. Non, le Fire, c'est beaucoup plus haut. Ouais, ouais. T'as raison. Vous faites bien de la mouchette. Oh ouais, ça va bien. Elle est gentille, elle, de Fire. Mais c'est quand même pas la reine d'Angleterre. Ah non. C'est bien comme ça, je pourrais dire que j'ai un copain FTP, dit-il à un moment donné, où un type lui offre un livre à signer, et là il se met à rire à nouveau et dit « Vous direz que j'ai un copain président de la République ». Bref, il avait envie de se marrer, sauf que là, quand même, à un moment donné, il y a quelqu'un parmi les anciens résistants qui l'a apostrophé, qui lui dit « Président, faut vous calmer ». Et lui a répondu « Faut bien s'amuser un petit peu ». C'était le lieu. C'était le lieu, non, c'est pas possible. Bah, écoutez, non, je vous cite l'article du Canard Enchaîné. C'est pas possible, veut dire, mais jusqu'où ira-t-il ? Allez, une petite nouvelle sur la scène française qui sortira son premier album le 21 avril prochain. L'album portera son nom. Son nom, c'est Zoé Avril. Elle est en concert le 5 juin prochain. Faut retenir, hein, d'ici là. Le 5 juin prochain à la Cigale avec cette chanson, On ne changera pas le monde. On ne changera pas le monde, maman. Et on ne changera pas les gens. On ne changera pas le monde, maman. Ça ne passera pas avec le temps. Le Paris-Nantes me passionne, autant que mon voisin de voyage, qui parle très fort au téléphone et qui étale tous ses bagages. Il a toujours un Loden has-been et il prend de haut le contrôleur, et avec ses blagues il bassine la moitié du wagon fumeur. On changera pas le monde, maman. Et on ne changera pas les gens. On ne changera pas le monde, maman. Faut vivre avec tout simplement. On ne changera pas le monde, maman. Et on ne changera pas les gens. On ne changera pas le monde, maman. Ça ne passera pas avec le temps. En fin de semaine, j'ai peur des vieux et de leur horrible petite manie de se trimballer deux par deux, comme par hasard, dans mon Franprix. Si par malheur, j'arrive en caisse avec un chariot trop plein, ils prônent un pseudo droit d'aînesse et me passent devant avec dédain. On changera pas le monde, maman. Et on ne changera pas les gens. On ne changera pas le monde, maman. Faut vivre avec tout simplement. On ne changera pas le monde, maman. Et on ne changera pas les gens. On ne changera pas le monde, maman. Ça ne passera pas avec le temps. Et au volant de ma petite 106, moi je ne demande rien à personne, si ce n'est de pas me pousser au vice en me collant au cul à coups de klaxon. Si par malheur un feu rouge, on me fait des appels de phare, je hurle, je crie, je deviens toute rouge, et puis j'invente des mots barbares. On changera pas le monde, maman. Et on ne changera pas les gens. On ne changera pas le monde, maman. Faut vivre avec tout simplement. On changera pas le monde, maman. Et on ne changera pas les gens, on ne changera pas le monde, maman. Ça ne passera pas avec le temps. On ne changera pas le monde, maman. Et on ne changera pas les gens, on ne changera pas le monde, maman. Faut vivre avec, tout simplement. On ne changera pas le monde, maman. Et on ne changera pas les gens, on ne changera pas le monde, maman. Ça passera pas avec le temps. Et à ma liste de doléances, j'ajoute que je deviens farouche lorsqu'on commet l'imprudence de parler à deux doigts de ma bouche, qui t'autorise, petit vandale, à t'approcher si près de moi, à violer mon espace vital, à faire comme si t'étais chez toi. On changera pas le monde, maman. Et on changera pas les gens. On changera pas le monde, maman. Faut vivre avec tout simplement. On changera pas le monde, maman. Et on ne changera pas les gens. On ne changera pas le monde, maman. Ça ne passera pas avec le temps. On changera pas le monde, maman. Et on ne changera pas les gens. On ne changera pas le monde, maman. Faut vivre avec tout simplement.
est toujours avec Elsa Fayère, Rachel Bourlier, Jean-Luc Lemoine, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou. Il y a d'autres choses amusantes dans Le Canard Enchaîné. On nous raconte aussi, et paraît qu'on a pu voir ça à la télévision d'ailleurs, dans un documentaire qui s'appelle Le Paris en or de Bertrand Delanoë, qui était diffusé jeudi dernier sur Canal+, où on voyait un dialogue entre Madame de Panafieux et Madame Rachida Dati. Dialogue qui faisait suite à un voyage en avion. C'était le retour de Chine aux côtés de Nicolas Sarkozy. Puis c'était un documentaire qui prenait des images un peu plus anciennes. Et là, on voit effectivement la garde des Sceaux et la prétendante, à l'époque, elle était encore à la mairie de Paris. Donc, Mme Dati, Mme de Panafieux, côte à côte, elles se parlent et elles parlent de Jean-Louis Borloo dans l'avion. Et là, il y a Rachida Dati. Vous l'avez vu, non? Ah oui. On a parlé. On voit Mme Dati, la ministre de la Justice, dire « Oh, j'ai pas dormi, j'hallucine complètement. J'ai dormi à côté de Borloo qui ronfle, ah oui. » dit Rachida Dati à Mme de Panafieux. Et là, on voit la candidate UMP à Paris qui grimace et qui dit « Il n'est pas vraiment sexy cet homme-là. » Et là, Mme Dati lui répond « Non, pas sexy des pieds, j'avais le gerbillon. » Oh, moi je connaissais pas cette expression. J'avais le gerbillon. Non, ça c'est un truc de banlieue. J'avais connu, j'ai entendu parler. Banlieue chic, hein. Banlieue chic, le gerbillon. Tu peux dire, j'avais le foulard au bout des lèvres, un truc j'allais comme appeler ça. Raoul. Le gerbillon, oui, oui. Comment vous dites-vous? J'allais appeler Raoul. Lâcher une quiche. Voilà, une quiche aussi bien. Il y en avait deux déjà. Pardon, Pierre. Rien du tout. Non, je voulais dire en effet que ça, ce parler militaire des jeunes femmes qui est maintenant l'apanage des femmes politiques me semble affreux, moi. Donc, Dieu sait que j'aime bien les hommes qui disent des gros mots, je le prouve, mais les femmes, je trouve ça terrible. On va dire que c'est encore du machisme. Oui. Pas du tout. C'est un certain idée, un certain respect, certaines choses. J'aime pas les femmes qui disent, il me fait gerber avec ces panards qui schlinguent. Ben, j'aime pas ça. Mon idéal féminin, c'est pas Jean Gabin. On te le dit beaucoup. C'est pas Jean Gabin, mon idéal féminin. En plus, c'est pas très avantageux pour Monsieur Borloo quand même, pour non. son c'est image. Terrible. Parce que là, depuis des semaines et des semaines, on le fait passer pour un alcoolo, et en plus maintenant qu'il sent pas bon. Alors, et le pire, pauvre c'est que Béatrice. Finalement, ça s'installe. On se demande ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. C'est quand même terrible, quoi. Est-ce que quelqu'un l'a vraiment croisé, Jean-Louis Borloo? Est-ce que quelqu'un peut témoigner? Moi. Alors, moi, gerbillon, pas. Non, pas gerbillon. Moi, il se trouve que j'étais non, un ce peu. Ce qui est rigolo, c'est quand même c'est qu'il lutte pour la qualité de l'air. Parce qu'il est quand même ministre de l'environnement. Faut quand même pas oublier ça. C'est le mec. Non, le mec qui lutte pour la qualité de l'air. Et t'as tous les gens autour. Ah, mais non, j'ai gerbillon. Hein. C'est énorme, Bonaldi. J'étais scout avec Borloo. C'est pas vrai. Ouais. Ah, c'est pas vrai. À l'époque. Et on dormait dans la même tente. On l'appelait Putois qui fuit. Non, Non. Son nom de totem, c'était gentil pour toi. Mais il a raison, Jean-Luc, faut le défendre un peu. On l'accuse d'alcoolisme, c'est horrible, ça va lui suivre. Alors qu'il l'est pas du tout, évidemment. Il a arrêté quoi? Enfin, c'est ans, pas quoi. Vous qui pouvez juger. Après combien de verres vous jugez que quelqu'un est alcoolique, vous, Jérôme Bonaldi? Il est pas alcoolique, c'est un bon camarade. Alors, je reviens un instant en voyage en Angleterre, parce qu'il faudrait pas, évidemment, que Mme Dati, là-bas, à Buckingham, à un moment donné, en plein repas, dise, ah, c'est pas terrible, la bouffe anglaise, ça me donne le gerbillon, hein, ce serait pas bienvenu, ça, non, dans le protocole. Il faudrait pas non plus qu'elle dise au prince Andrew, elle est bien ta grand-mère. Quoi? C'est l'accent qui est bon. Voilà, bien sûr. Mais tu es imitateur en plus. En tout cas, le président, lui, a déclaré quand même, et ça c'est plutôt étonnant, et je vais vous demander de compléter la phrase à propos de ce voyage en Angleterre. Ils passeront une nuit seulement sur place. Il a déclaré, le président de la République, c'est Catherine Tardoux dans Le Parisien qui l'affirme en tout cas. Demain, je serai à Windsor, c'est... Le but de ma vie. Non. C'est la femme préférée de ma vie. Non. C'est l'hymen. Non. C'est l'apothéose. C'est ma résidence préférée. Non. C'était le rêve de ma vie. Non. C'est la Watt. Puisque le président français et son épouse vont passer la nuit à Windsor, la résidence royale à une trentaine de miles au sein de la capitale, où la reine Elisabeth II elle-même habite une grande partie de la semaine. Ils vont loger là pendant une nuit. C'est et dit demain je serai à Windsor. C'est sa nuit de noces. Non. C'est royal. C'est la flambe. C'est le pied. C'est le pied. Non, mais ça se rapproche. C'est top. C'est non. Kiffant. Non. C'est l'extase. Non. C'est la classe. Bonne réponse. Ça fait de Jean-Luc Lemoine. Tu comprends maintenant pourquoi il vaut mieux préciser un peu toutes les règles un petit peu avant qu'ils partent, parce que s'ils balancent ça, putain, c'est trop top chez vous. Parce qu'il y a pire encore, c'est la classe, c'est pire.
Oh, dis donc, la classe. Est-ce qu'on fait Et madame la reine, et monsieur le roi, vous êtes sapé quand même. Dis donc, la classe, arrête, j'y croyais pas. Non, les conseils qu'on donne au couple présidentiel pour bien se tenir, c'est vrai que c'est terrible, c'est la première fois qu'on lit ça dans la presse quand même. Conseils au couple présidentiel pour bien se tenir. On leur fait pas confiance. Mais où on va recruter les présidents? Pour qu'on soit obligé de leur donner des conseils pour bien se tenir. Tu vois, De Gaulle, quand on lui disait, mon général, quand vous arrivez, surtout, vous dites pas, j'ai mal aux arpions, non, mais sérieusement. Il y a des choses très hypocrites, parce que j'ai vu qu'il y avait notamment ne pas mettre de robe avec des couleurs trop vives. Ouais. Elle a jamais vu sa mère, la mère, enfin la reine. Oui. Parce que s'il y en a bien qui s'habillent avec des couleurs vives, c'est quand même la famille. C'est justement parce que eux s'habillent avec des couleurs vives que leurs invités ne doivent pas le faire. Mais pas de noir non plus, et pas de gris non plus. Il y a aussi dans les conseils, éviter les familiarités. Bon, sans s'en douter un peu. Hein. Il faut dire Your Majesty à la reine. On dit comme ça, on prononce bien. Je prononce bien là, moi. Your Majesty. Ou alors on nous dit, il faut dire Maham. Maham. Et il faut même pas prononcer le M de Maham. Il faut dire Ham comme jambon en anglais. À mon avis, ça c'est une blague du Parisien. Pour que Sarkozy soit un petit peu dans la merde. Jambon. Madrange. Heureusement que Bernard Laporte n'est pas du voyage. Mais Laurent, c'est uniquement les amis qui l'appellent Madame. Nous, on doit faire Highness ou bien Majesty. Non, il paraît qu'on peut l'appeler Madame. Comme la tranche de jambon. Voilà. À condition qu'il a duchesse d'York assise à côté, évidemment. Parce que le jambon d'York. Non, mais c'est assez curieux quand même. Une autre question. Une proposition de loi initiée par Jean Leonetti va être examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Quelle proposition ? C'est un rapport avec l'interruption de vie ? Pas du tout, justement. Justement, non. Puisqu'effectivement, Leonetti s'est illustré, puisque la loi porte son nom par la dernière loi sur l'euthanasie, qui était un début de commencement d'euthanasie, mais pas suffisante cette loi manifestement. Mais non, il y a une autre proposition de loi proposée par Jean Leonetti qui va être examinée aujourd'hui par les députés. Toujours dans le domaine médical ou pas du tout? Pas du tout. Ah, pas dans le domaine médical, familial. Quoique, il y a un lien, mais un lien lointain. Mais non, ça va vous mettre sur une mauvaise... Un truc avec la Corse ? Pas du tout. La famille ? Non plus. Un rapport avec sa région, à lui ? Non, c'est quelque chose qui nous touche tous. Avec la mort ? Non. Avec le travail ? Avec le travail, oui. Ça nous touche tous ? Oui. C'est pas le sexe, déjà ? Pourquoi vous n'êtes plus touché par le sexe ? Non, par la grâce ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Ça baisse pas à Canal+ ? J'ai un coup de mou. Ah oui? Un petit coup de mou. C'est ce que m'a dit ta collègue. Rachel. Moi, ça suffit. Au boulot. Regardez, quelle familiarité. Bonjour, Bonaldi. Qu'est-ce qui vous prend? Enfin, Jérôme Bonaldi, on reçoit une jolie jeune femme dans cette émission. C'est la deuxième fois seulement qu'elle vient, elle est animatrice. Et vous lui parlez comme si c'était une grue. Pierre, prenez sa défense. Mais moi, je prends sa défense, je sais le plus possible. Oui, mais carrément caresser le dos, là. Non, mais ce qui est vrai en plus. Balance en plus. J'ai senti une main comme ça sous mon pull. Il vous a caressé le dos. Oui, absolument. Ouais, bien sûr, aussi. Mais t'es toute nue sous ton pull, il y a la rue qui est ma bulle. Rachel, si t'es en danger, viens sauter sur mes genoux. Alors non, dites-moi, Léonetti, là, en attendant. Alors, pourquoi on ne se roule pas tous par terre, là, dans les micros, comme ça? On entendrait des grognements. Hein? Rachel. Ça serait peut-être mieux pour les gens, non? Mais où suis-je? Viens plus près. C'est formidable. Mais non. J'ai dit, viens plus près, Rachel. Crasse-toi, Bonaldi. Voilà. Ça serait bien. Ce qui est formidable avec la radio, c'est qu'on s'adresse directement à l'imagination des gens. Là, ils imaginent que. Mais t'es toute nue sous ton pull. Oui, enfin, vous, ils connaissent votre gueule. Hein, je veux pas vous. Alors, mon Leonetti, là. Est-ce que c'est un rapport avec la sieste, justement? On parle de. La sieste au travail. Non. Ce serait-il pas pour que la Pentecôte soit plus chômée et moins fériée? Moins fériée. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. La suppression du travail le lundi de Pentecôte et le retour à un lundi de Pentecôte chômé, ce qui n'était plus depuis l'ère Raffarin. C'est Raffarin qui avait inventé le travailler le jour de Pentecôte. Il aurait laissé des trucs intéressants. On dit qu'il n'est pas mort. Il est toujours là, Raffarin. Oui, il est là, il fait vieux sage maintenant. Ouais. Ça fait vieux flop hein, quand même le coup de la Souvenez-vous que c'est lui quand même qui avait inventé cette fameuse expression la France d'en bas. Vous souvenez de ça un peu hein? Maintenant il sait ce que c'est. Bon, je crois pas encore. Non. Je passe à une question suivante, musicale celle-là. Qui aura son premier album qui s'intitulera Ersatz? Julien Doré. Ouais. Bravo, c'est rapide, c'est efficace.
Rachel Bourly a trouvé. Ersatz, c'est le titre de l'album qui sortira le 12 juin, album de la dernière nouvelle star, en tout cas du gagnant de cette émission, Julien Doré. Bonne réponse, Rachel Bourly. Et ça nous permet dans l'album. Au téléphone, Sarah Forestier, bonjour. Bonjour, Laurent. Est-ce que vous êtes déjà à Valenciennes, Sarah? Ah non, pour l'instant, je suis dans un taxi. Ah, dans un taxi à Paris, alors? Ouais. Mais en tout cas, vous irez à Valenciennes ce week-end, puisque débute demain et jusque dimanche le 19e festival du film de Valenciennes. Le président du jury sera Nils Arestrup, Grégory Baquet, Nicolas Bedos, Patrick Bouchitet, Patrick Mill, entre autres Christine City et vous-même. Faites partie du jury de la compétition long-métrage. Alors, ça veut dire que les ch'tis ont un tel succès que maintenant tout le monde va dans le Nord, même pour les festivals de cinéma. Ouais, et ce qui est drôle, en fait, c'est que moi, je l'ai présenté aussi un court-métrage là-bas. Ouais. Et j'avais été présenté juste avant le film de Danny Boone au Festival de l'Alpe d'Huez aussi. Donc, ouais. Ça veut dire que vous l'aviez vu avant tous les autres. Vous pensiez que ça allait être un tel succès? Ah ouais, j'en étais sûre. C'est quoi, alors, le Festival du film? J'avais plus de succès que mon court-métrage, déjà. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est quoi votre court-métrage? Alors, c'est Thierry Frémont, je le dis, qui sera président du jury de la compétition court-métrage à Valenciennes. Bien sûr, je peux pas juger mon propre court-métrage. Le pitch, c'est un soir... Dans une rue déserte, un violeur rencontre une lectrice de Girly Magazine. Oui. Oui. On m'a pas appelé pour faire ça. Dure-toi que je l'ai autoproduit. Ça s'appelle Un de toi, c'est ça? Ça s'appelle Un de toi, ouais. Et, mais alors, ça veut dire que vous voulez être réalisatrice, Sarah Forestier, alors qu'on vous aime comme comédienne. Quelle idée. J'essaie d'être réalisatrice, ouais. Elle peut faire les deux. Il y en a plein qui l'ont fait et qui le font très bien. Regarde, Antoine Decaune, par exemple. C'est salaud, ça, non, Moustapha. 19e festival du film jusqu'au 30 mars et jusqu'à dimanche à Valenciennes. Ça vous plaît, ça, de faire les festivals? On s'amuse bien dans les festivals, Sarah Forestier? Moi, j'ai toujours adoré faire des festivals parce qu'on regarde plein de films. Ouais. On est bloqué pendant 4 jours et on regarde que des films, et ça, c'est vraiment génial. Et puis, on a le temps un petit peu de rencontrer les gens, alors que c'est plutôt... Justement, est-ce que vous faites gaffe quand même aux membres du jury, parce que vous allez vous les coltiner pendant quelques jours? Est-ce que ça, c'est important au moment d'accepter? Ouais, bon, on dort pas avec non plus. Donc, vous risquez de passer un petit peu de... On a une occasion de vraiment discuter avec les gens de l'art du cinéma. Il faut préciser que le Festival de Valenciennes est un festival de cinéma tout genre. Hein. C'est pas un festival soit du film d'horreur, soit du film catastrophe. Ouais, soit je crois film... qu'il y a une spécialité aventure et action quand même. Ouais. Ah oui? Ah bah moi, c'est pas ce qu'on me dit. Court-métrage. Programmation exigeante, originale et éclectique, mais mélangeant tous les genres, voyez, films internationaux, œuvres cultes, films de patrimoine, grands classiques, courants nouveaux, hommages prestigieux sont au programme de ce festival. Mais ce qui est dingue, c'est que j'ai vu la sélection, par exemple, il y a 30 courts-métrages, Il y a énormément de films dans ce festival, c'est dingue. C'est un truc de fou. Vous partez quand pour Valenciennes, alors? Demain. Demain, bah, on qu'est-ce que vous faites dans un taxi? Je croyais que vous alliez à la gare, là, vous dites que je suis dans un taxi. Bah quoi, je bosse. Vous bossez, vous trouvez... Vous êtes dans le taxi, maintenant? Bah ouais. Pourquoi? On dit pas ouais, on dit oui. Vous m'avez connu encore dire oui, monsieur, ça fait 9 fois vous dites ouais, je n'en peux plus. Mais on est en 2008, Pierre Bénichou. On est en 2008, Pierre Bénichou. On est tous les jours quand on est mal élevé. On est en 2008, Pierre Bénichou. D'abord, on dit on est en 2008. Quand on m'a dit Pierre Bénichou, je me suis dit merde, je vais me le coltiner comme si j'étais dans un jury, quoi. Waouh! Pierre, comme si j'étais quoi? Mais je régale, il faut de l'humour en 2008. Elle a dit un truc sur ta sœur, apparemment. Là. Oh, c'est sûr. Et il nous reprend tous les jours ici, vous savez, il surveille nos moindres écarts, hein, Sarah. Mais oui, je l'aime bien. Ne vous en faites pas. 7 longs métrages internationaux inédits en présence des réalisateurs et des comédiens seront jugés. Le président sera Nils Arestrup. Sarah Forestier fait partie du jury. C'est ce week-end à Valenciennes. On vous embrasse, Sarah Forestier. Merci, Laurent. Merci, bravo. Ciao. Laurent Ruquier, on va se gêner, du lundi au vendredi, 16h-18h, sur Europe 1. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Elsa Fayer, Rachel Bourlier, Jean-Luc Lemoine, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou et Moustapha El Atrassi. Alors, d'autres questions, vous êtes prêts? Oui.
Ezafaya n'arrive pas à se remettre de la présence de Rachel Bourdin dans cette émission. Pendant les infos, mais il a fallu qu'on les sépare. C'était un crêpage de chignon incroyable. J'ai essayé de lui saisir la mèche. Elle a esquivé. L'esquive, c'est plutôt le film avec Sarah Forestier pour répondre à Pierre Bénichoux qui s'interrogeait sur les films dans lesquels Sarah Forestier avait pu jouer. Non, il m'en manquait un dans sa filmographie. C'est vrai, c'est l'esquive. Premier, en fait. Ouais. Alors, ma question, la première de cette deuxième partie, concerne la flamme olympique et qui a porté la flamme olympique hier dans le village d'où sont originaires ses parents. Nikos Aliagas, égalité entre Rachel Bourlier et Elsa Fayer. Bravo, bonne réponse. C'était où? C'était dans le petit village de Grèce, là. Alors. C'était en Grèce, à Missolonghi, très exactement, voilà. La ville d'où les parents de Nikos sont originaires. Il avait déjà porté la flamme en 2004, mais à Paris, ça avait été un des relayeurs. Il avait relayé la flamme avec une Israélienne qu'il avait ensuite relayée à une Palestinienne. Mais là, dans ce village, comment s'appelle le village? Vous ne savez pas? Parce que je crois que c'est le village natal de Platon, de Sophocle et de Nikos Aliagas. Je trouve que c'est quand même plus intéressant, ouais. Qu'est-ce qu'on saura enfin le 13 novembre prochain? C'est un événement français. On va boycotter les JO, non? Ce sera trop tard. C'est un événement français. Mais la raison, on le saura, puisque ça sera déjà passé. Merci. Le 13 novembre. C'est du sport? Ce n'est pas sportif. Quoique, ce sera de la compétition tout de même. Tout de même. C'est politique. Qui aura gagné quelque chose? C'est les élections américaines? Non. 13 novembre prochain. Ça se passera en France? Oui. Ça intéresse les Français? Oui. Et pas tellement les Belges? Ça les intéresse. Pas certain que ça les intéresse. Oui. Enfin, ça les intéresse quand même, oui. Les Américains, ils sont en poste. Nous, ça nous intéresse, en tout cas, je pense. Est-ce que ça va changer notre vie? Oh là, ça là, c'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Est-ce que ça risque de vraiment nous intéresser ou on s'en fiche? Vraiment, ça va nous fasciner? Vous, franchement, vous vous en fichez. Ah bon, alors ça concerne la politique ou un truc chiant comme ça? C'est pas la littérature. C'est le congrès du le PS? Oui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Qui sera le patron du PS, à savoir le premier secrétaire. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Oh, c'est dégueulasse. Ça, c'est minable. Qui succédera à François Hollande? Voilà, on le saura le 13 novembre prochain. Ça veut dire qu'il y en a encore pour 6 bons mois, même un peu plus. Oui, il n'y aura même pas de trêve estivale. J'imagine que là, ça commence déjà un petit peu à rentrer en concurrence entre les uns. Il paraît qu'ils étaient tous là, très sympas. On a vu Martine Aubry même faire la bise à Ségolène Royal hier. Mmh. Ça a bien discuté, bien papoté. Mais bon, évidemment, plus ça va aller, plus on va avancer vers le 13 novembre. Ils sont 5 maintenant, non? Ségolène Royal, Fabius, Martine Aubry, Delanoë, et surtout celui qui va être Julien élu, Drey. Julien Drey. Vous croyez que c'est lui qui va être élu? Je pense, parce que c'est celui qui réunit le plus de... Les autres sont très marqués. Même Delanoë. Delanoë, il est très marqué par Paris, quand même. Oui, mais... Ouais, mais il est fort de son succès, donc là... Fort de son succès. Dans les sondages d'opinion, c'est lui qui est en tête. Mm. Oui, mais ça, les sondages, ça ne veut rien dire. C'est comme ça s'appelle les poupées sales, les gens à la boxe, tu sais. Oui. Les gens qui en salle sont formidables, puis sur le match, c'est pas vrai. Sans ça, il y a longtemps que ça serait Madame Simone Veil et Monsieur Kouchner qui seraient présidents de la République. C'est vrai. Autre question, on revient cette fois aux Jeux Olympiques, puisque Pékin a demandé hier à France Télévisions et à d'autres chaînes internationales savoir s'il y avait une possibilité pour la retransmission des Jeux Olympiques. Laquelle? C'est Pékin qui demande quelque chose à France Télévisions. Ils ont appelé, Pékin a appelé, ils ont appelé France Bonjour, Télévisions. Bonjour, est-ce qu'on pourrait... Ils ont appelé les différentes chaînes de télévision européennes. Est-ce qu'on peut leur prêter Nelson Montfort? Non. Pour qu'il y ait un différé de 5 ou 10 minutes, non? Qu'il y ait un différé de quelques minutes, que les images ne soient pas retransmises en total direct. Qu'il y ait effectivement quelques minutes d'écart entre le direct et la diffusion dans les autres pays du monde. Excellente réponse de Mustapha El Atrassi. Et c'est quelque chose de très 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 important et de très embêtant, parce que la réponse, normalement, ça devrait être oui. Qu'est-ce qu'on a à foutre de 3 minutes? Mais pourquoi ils le font? C'est pour pouvoir gommer, si jamais il y a un incident là-bas, politique ou quelque chose qui ne leur plaît pas, de pouvoir gommer avant que ça passe dans la télévision, des télévisions occidentales. Comme ils l'ont déjà fait pour Robert Ménard. Bon. La réponse a été non, d'ailleurs. La réponse a été non, évidemment. Je suis contente, moi, de France Télévisions. Sinon, le 100 mètres, on l'aurait vu en différé, quoi. Mais vraiment. C'est-à-dire que les mecs sont en train de prendre leur douche et là, on diffuse le 100 mètres. Parce que ça dure quand même que 10 secondes, donc c'est un petit peu dommage si tu as 4 minutes de retard. On verrait que les Français arrivaient.
C'est ça. Mais c'est toujours le problème, puisque c'est, les matchs de foot et les matchs de rugby sont en général quand même mieux commentés, sauf quand c'était Thierry évidemment, sont mieux commentés à la radio qu'à la télévision. Alors quand tu écoutes la radio et que tu mets à l'antenne la l'image, et que tu ne mets que l'image c'est de la télé. C'est pas tout à fait vrai, pardon de vous le dire, parce qu'on retient jamais son nom, d'ailleurs même moi je ne l'ai pas, mais le commentateur sportif d'athlétisme sur France Télévisions est excellent, et c'est oui. même pour ça d'ailleurs, souvenez-vous, que les championnats du monde d'athlétisme avaient attiré autant d'audience lors de leur dernière édition. Je crois que c'est Montel, non ? Bernard Montiel, non, pas, non pas Bernard Montiel, Patrick Montel. Et puis, y a Patrick Montel est excellent pour l'athlétisme. L'athlétisme du athlétisme aussi est très bon. Mais est-ce que vous savez d'où ça date, ce truc de les images de la télévision et le son de la radio ? Ça date de mai 68, où les bons journalistes commentateurs, sportifs. Journalistes, avaient été virés, à savoir Chapat et Coudert surtout. Et donc, ils étaient venus sur Europe 1, qu'on appelait Europe numéro 1 à l'époque. Et tout le monde disait, les nouveaux commentateurs de rugby sont nuls, vous mettez l'image et vous écoutez Coudert sur Europe. Oui, c'était un coup de pub pour Europe formidable, d'autopub, mais qui était justifié. Et pas seulement, c'était aussi une façon pour les auditeurs et les téléspectateurs de manifester leur soutien à ces journalistes qui avaient été virés des grèves de 68. Oui, mais surtout, c'est insupportable de faire ça, parce que moi j'ai essayé une fois de mettre la radio avec la télé, il y a un décalage. Donc de toute façon, le problème c'est le satellite qui leur donne un quart d'heure, une seconde de retard. C'est très étonnant. En tout cas, il n'y aura pas de différé. Les chaînes s'y opposent entre Pékin et les autres pays du monde à propos des Jeux Olympiques. Mais restons sur ces JO, puisqu'à propos du boycott éventuel de la cérémonie d'ouverture, Monsieur Sarkozy a répondu hier que ce n'était pas impossible, que ça faisait partie des éventualités. Et il a aussi tenu à répondre, Monsieur Sarkozy. À un moment donné, il a dit « Diriger un pays, ce n'est pas facile, et c'est peut-être la différence entre celui qui parle et celui qui doit agir. » À qui répondait-il et à qui était destinée cette phrase de Nicolas Sarkozy ? François Hollande. François Hollande, non. Ségolène Royal. C'est pas adressé à Ségolène Royal. On comprend bien là que c'est riposte de la part du président de la République à quelqu'un qui... Monsieur Ménard de Reporters sans frontières ? Non, ouais. Non. Mais c'est effectivement quelqu'un qui reproche au gouvernement de ne pas assez manifester son mécontentement et particulièrement... Alain Juppé, bonne réponse de Pierre Bénichou. Alain Juppé qui a eu une formule formidable, justement, après avoir écouté le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Kouchner, dire, ben non, écoutez, le boycott, ça ne s'entre pas dans nos plans, c'est machin, on demande un peu plus de modération aux Chinois, et Juppé a dit, en fait, ce que demande la France, c'est qu'il tue avec modération. C'est plus précis que ça, c'est un communiqué de l'Élysée, non pas un propos de Bernard Kouchner qu'a relevé Alain Juppé, c'est un communiqué de l'Élysée qui appelait Pékin à la retenue. Oui. Ce à quoi Alain Juppé effectivement a rétorqué, en somme, nous demandons au pouvoir de Pékin de tuer avec retenue. Là, évidemment, y compris Bernard Kouchner, hier sur Europe 1, a dit c'est vrai que le terme de retenue n'était pas approprié, donc il s'est un peu écarté de la position présidentielle, Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères. Alain Juppé est allé encore plus loin à propos du président Sarkozy, parce que il a reproché à Monsieur Sarkozy de sombrer dans la réelle politique et il a dit « Il y a des grâces d'État et des disgrâces aussi ». Voilà ce qu'a dit Alain Juppé à propos du président, ce à quoi effectivement Monsieur Sarkozy a répliqué hier « Diriger un pays, c'est pas facile, c'est peut-être la différence entre celui qui parle, Juppé, et celui qui doit agir, lui, Nicolas Sarkozy ». C'est bien comme réponse. Justement, tiens, qu'est-ce qu'a jamais fait Jacques Chirac en 12 ans de mandat ? C'est la question qui suit et normalement vous aurez la réponse tout de suite puisque... Il n'a jamais reçu le Dalai Lama. Il n'a jamais reçu le Dalai Lama. Bonne réponse des affaires, l'amour. Je vous ai entendu, Moustapha. S'il y a bien un truc qu'il a fait, alors je vais vous dire, c'est ça, en 10 ans de mandat. Ouais. Il en a même profité, généralement, c'est quand on est président de la République qu'on... Il a tellement bien caché. Oh, pas si bien que ça, dire, apparemment. Ça Rachel, veut dire qu'on est président de la République juste pour avoir des relations sexuelles. Mmh. Oui, oui. Je vais vous dire, on réussit dans la vie juste pour avoir des relations sexuelles. le reste d'intérêt. Pierre Bénichou. C'est évident. Mais je veux dire, mais les plus grands écrivains, on leur demande pourquoi écrivez-vous, ils disent...
pour être aimé. Et oui. Être aimé, ça veut dire des sentiments, mais ça veut dire aussi beaucoup de la sexualité. Enfin, je veux dire, combien de types veulent arriver pour parce que une fille de quand ils avaient 15 ans leur a dit t'es trop moche et je veux pas de toi, et lui au moins il a un scooter. C'est pour ça que tu deviens PDG d'Odelf Aquitaine. C'est pas parce que comme ça tu peux avoir des scooters et la fille tu vas la voir, elle a plus 16 ans, elle en a 58 et tu dis Et tu dis si tu envoies un SMS en disant si tu reviens j'annule tout. On va vous expliquer la vie Jean-Luc Lemoyne et on se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. Rachel Bourlier est là, Elsa Fayer. Dis Rachel Bourlet, je vous ai entendu. Vous avez dit Rachel Bourlet. Elle part dans des délires, Elsa. Je suis très très flattée. Hein. Ça veut dire que vraiment la concurrence est dure. Mais on s'amuse. C'est Rachel comment alors? Bourlet. Ça des Bourlets. Pierre, enfin. C'était pour que Pierre en profite. J'ai beau, écoute. Je veux bien rechercher. Je sais que c'est encore. Pas la reine d'Angleterre, mais enfin de là. Chercher encore, mais j'en trouve pas des Bourlets. Non, je poursuis les expériences. C'était pas comme ça la dernière fois. Hein. L'accueil est vachement plus chaleureux aujourd'hui, ça fait peur. Eh ben forcément. Hein. La première fois, je marque toujours une certaine défiance. Après, je me renseigne, j'ai le carnet médical, j'ai tout, puis là, j'attaque. Nous allons dans un instant avoir au téléphone Madame Anne-Marie Labbé, qui a décidé de porter plainte au commissariat suite à sa visite au parc floral à Paris. Que lui est-il arrivé ? Elle s'est fait mordre par une plante carnivore, peut-être ? Non, ça aurait pu. Ça aurait pu. C'est raconté dans le Parisien. Elle a trouvé un champ de cannabis. Aujourd'hui, c'est Cécile Beaulieu, la journaliste du Parisien. Ah ben moi, je sais ce qui m'est arrivé. Allez-y. Ah, c'est fait enfermer comme exactement. Femme. Madame Labbé a dit, tiens, je vais aller au parc floral. Elle va au parc floral. Elle regarde, tiens, des têtes de loup. Tiens, des jonquilles. Tiens, des roses. Oh, oh, une rose très bien. On peut... Qu'ils sont jolis, ces glaïeuls. Dommage que j'ai pas mouillé. La suite racontée par Madame Labbé elle-même. Bonjour, madame. Bonjour. C'est exactement comme ça que ça s'est passé? Pas tout à fait. Alors, pour quelle raison étiez-vous au parc floral, d'abord? Pour aller me promener, parce que j'habite pas très loin. Et puis, en plus, c'est un endroit que j'aime beaucoup. En plus, on peut s'abriter quand il pleut, vu qu'il faisait mauvais. Il y a des serres qui sont très jolies et très, très agréables. C'est à Vincennes, hein, il faut le rappeler. C'est près du château de Vincennes. Donc, j'y suis allée en bicyclette, en fait. Pas en vélib, mais en bicyclette. Et puis, donc, je me suis promenée. Puis, à 5h, il s'est mis à pleuvoir vraiment à torrent. Et donc, je me suis réfugiée dans une serre. Et puis, vers 18h10, je me suis dit, il faut s'en aller parce que le parc va bientôt fermer. Et puis, j'ai vu le gardien qui est venu fermer la serre. Et puis, je lui ai dit en rigolant, mauvais temps pour faire du vélo, s'il était en vélo. Et puis, surtout, vous m'oubliez pas. Et puis, bon, je me suis dirigée vers la sortie, le château de Vincennes. Je l'ai vu qui passait à toute vitesse sur son vélo, avec la capuche sur les yeux, vivement que je rentre chez moi. Et puis, moi, le temps que j'arrive à la grille, eh ben, c'était fermé. C'est-à-dire qu'il vous avait enfermé volontairement, vous pensez? Oh non, pas du tout. Non, si, non, il a cru que j'étais sorti. Vous étiez une belle plante. Oui. Ah, peut-être parce que vous êtes une belle plante, il a raison, Jean-Luc Lemoyne. Je suis pas toute jeune, hein, donc. Oh, mais vous êtes une belle blonde quand même. Vous avez vu la photo, Pierre? Ouais, j'ai vu votre photo dans le Parisien. Vous auriez bien aimé être enfermé dans le parc floral en même temps que madame. Même dans une serre. Ça m'aurait peut-être réconforté. Ah, oh. Méfiez-vous, oh, il est un peu carnivore aussi, hein, Pierre Bénichou. C'est un gros platane. À Vincennes, elles sont comme ça. Hein. Non, ce qui est étonnant, c'est la suite de l'aventure. Oui. Bah, la suite, elle est étonnante, mais elle est un petit peu dure hein, quand même. Alors racontez. Vous êtes nourrie de plantes. Parce que bon, j'étais donc enfermée. En plus, il y avait mon vélo qui était garé juste devant. Donc l'agent, il aurait dû voir qu'il y avait encore mon vélo. Enfin bon, peu importe. Et puis donc, j'ai appelé les pompiers. Parce que moi, j'ai cherché partout s'il y avait une sortie. Il n'y en avait pas, tout était fermé. J'appelais les On pompiers. Est lundi de Pâques, hein, il faut savoir. Hein. On est lundi de Pâques, je m'en souviendrai. Et j'ai pas trouvé d'œuf dans le parc, en plus. Et alors vous... Et vous appelez les pompiers avec votre portable. Alors j'appelle les pompiers, moi j'ai pensé grille très haute, donc échelle. Moi j'ai pensé échelle de pompiers. J'appelle les pompiers, et ils me disent, d'abord, pourquoi vous nous appelez, vous êtes pas en danger. Alors je leur dis, écoutez-moi, là, j'ai très très froid, je suis sous la pluie, je suis enfermée dans le parc, il va bientôt faire nuit, je sais pas comment m'en sortir, donc ça va pas trop bien. Alors ils me disent, mais non, mais c'est pas notre problème. Alors,
vous écoutez, moi, un SDF qui est sous la pluie, là, dans le froid, vous allez peut-être aller chercher. Donc, peut-être que vous pouvez peut-être quand même m'aider à porter une échelle ou quoi que ce soit. Il me dit, non, c'est pas notre problème, débrouillez-vous, il raccroche. Les pompiers, ça c'est les fou. Pompiers. Pas sympa, les pompiers. Mais j'ai acheté le calendrier. Attendez, j'ai acheté le calendrier des pompiers en plus. Ah oui, c'est pas bien. J'ai acheté le calendrier en leur disant si j'ai besoin de vous, j'espère que vous viendrez. Ben non. J'appelle la police. Bon, j'appelle la police. Ah, et les policiers, ils vous répondent quoi, eux? Ah, ils ont été gentils. Ah. Les policiers de Bignon. En plus, j'avais presque plus de batterie. Donc c'était vraiment le cauchemar. Le cauchemar. Alors ils me disent on vous met en attente, on appelle les espaces verts, on vous met en attente. J'ai dit non, j'ai plus de batterie. J'ai raccroché. Ils m'ont rappelé en disant on a appelé les espaces verts, on va venir vous chercher, on va venir vous ouvrir. Alors entre-temps, il y a un cycliste vachement sympa qui est passé et qui était là, qui essayait de me réconforter, enfin bon, super gentil et tout. Et j'ai attendu un certain temps quand même, pas mal de temps. Et puis il y a une jeune fille blonde qui s'appelle Adeline Saman, qui est adorable et qui est passée devant le parc. Qui a trois rues de Ponthieu, on l'appelle. Et alors ? Non. Alors elle passe et le cycliste lui a fait signe. Elle a fait des signes en montrant la gauche du parc. Bon, et puis la police m'a rappelé en disant comment ça se passe, etc. Et à ce moment-là, il y a une voiture grise qui est arrivée de l'intérieur du parc. Et j'ai dit à la police, tout va bien, ça y est, je suis sauvée, ils arrivent, ils vont me chercher. Et puis je me suis approchée vers cette voiture et il y a un homme qui en est sorti et tout. Et puis moi, je lui ai dit, bah dites donc, ça arrive souvent que vous enfermez des gens. Et il me dit, ouais, mais vous m'agressez, c'est pas de ma faute, je fais pas partie du parc. J'ai dit, écoutez, je sais que c'est pas de votre faute, mais enfin bon, moi je suis gelée, j'ai peur, enfin bon. Il me dit, ouais, vous faites chier, moi j'étais devant ma télé avec mes gosses, on m'a appelé, vous m'emmerdez et tout. Et puis comme vous êtes agressive, et ben moi je vous laisse pas sortir. Il m'a montré les clés. Il m'a dit, non, je vous laisse pas sortir. Alors moi, je dis, bah, écoutez, j'appelle la police. Il dit, je m'en fous. Je vous laisse pas sortir. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, ce monsieur qui avait les clés, il avait les clés de la grille. Oui. Vous étiez à l'intérieur et il n'a pas voulu vous ouvrir. Non. Il s'appelait Passepartout. C'est incroyable. Ce monsieur, il ne faisait pas partie du parc floral. Il faisait partie des espaces verts parisiens. Ça, voilà. C'est incroyable, ça. Je pense que c'était la personne qui est de permanence. Parce qu'ils ont des gens qui sont en permanence quand il y aura un incident dans le parc. Alors, il a c'est curieux quand même. Mais là, depuis, vous êtes sorti ou vous nous appelez du parc floral là, Comment on peut vous aider? Vous êtes sorti ou pas? Non, le mec avec les clés, il lui a dit effectivement, je vais chercher le père Fourat. Si vous répondez à la question. Vous n'avez pas répondu, il faut assumer maintenant. Vous n'avez pas laissé sortir. C'est fou parce que le type se déplace et une fois qu'il est devant vous, il dit non, je ne vous ouvre pas la porte. Il m'a fait un chantage, il m'a dit, vous avez été agressé avec moi puisque c'est comme ça. D'abord, en plus, vous m'emmerdez. Et bien, puisque c'est comme ça, je ne vous laisse pas sortir. Il m'a fait un chantage. Mais le chantage, c'était quoi? Le chantage, il n'y avait pas de chantage, c'est pas un chantage, non. C'est, ah bon ça, c'est, bah, il n'a pas dit, je veux bien vous ouvrir, mais on va regarder les fleurs. Ça sera un chantage. Non. Et non, alors, non, ça s'est terminé, que vous êtes sorti par la maison d'à côté. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'au même moment, il y a la jeune fille blonde donc, qu'on avait vue devant le parc qui est arrivée de l'intérieur Adeline du parc. Samias. Parce qu'elle habite en fait dans une maison limitrophe au parc et je lui ai dit mais vous connaissez ce monsieur? Elle m'a dit non, il m'empêche de sortir. Elle a dit mais c'est invraisemblable et elle m'a fait sortir par son jardin privé qui donne sur le parc. Donc je suis sortie en fait par un jardin privé d'une maison parce que son père travaille dans une maison à pain d'épices. C'est incroyable. Je suis arrivée dans une maison à pain d'épices et là il y avait des lapins qui couraient partout. Chère madame, est-ce que vous voulez que j'essaye de retrouver ce monsieur et qu'on aille lui parler tous les deux? Ah ben si vous voulez, vous appelez les espaces verts. Moi j'ai pas ses coordonnées. Ben moi je vais appeler les espaces verts. Et le monsieur et le monsieur avec qui vous vouliez rester enfermé dans le parc, il y est toujours lui ou pas? Non, mais disons que, on va dire que ça aurait pu être drôle si j'avais été avec des copains, quoi. Mais là, non, c'est quand même curieux drôle, de vous enfermer toute seule dans une serre, madame, non? Mais vous dites que vous n'êtes pas très jeune, mais vous avez une voix d'une juvénilité, d'une. Ça vous fait quel âge maintenant? Bah, j'ai 59 ans et demi. Et demi, on dirait ma fille. J'ai 8 ans et demi, elle y tient beaucoup. On vous remercie pour votre témoignage, merci madame. Je vous en prie, au revoir. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Gêné toujours avec Lemoine, Benichou, Mustapha, Bonaldi, Elsa, Rachel Bourlier,
Et au téléphone, Serge Liadeau. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes chers camarades. C'est mercredi, mercredi, papier, stylo. Ah. Je vous laisse le temps chez vous et peut-être dans votre voiture d'attraper un stylo ou un dans la voiture, d'attraper un stylo. Une contravention. Et peut-être un accident. Mais je connais nombre d'auditeurs de notre émission qui profitent de ce moment pour se garer. Mettre leur feu de détresse. Préparer les documents afférents à la conduite du véhicule si jamais. Il y a un agent de la force publique qui demande à les consulter et après ça qu'ils disent allez-y Serge. C'est notre... Et encore avec un peu de chance on peut tomber sur des flics qui participent au quiz aussi. Voilà bien sûr et qui sauraient évidemment reconnaître les différents interprètes du quiz qui a pour thème cette semaine le Tibet évidemment. Le Tibet, très bonne idée. Pourquoi le Tibet? Il y a combien d'interprètes, Serge ? 11. Exactement, il y en a 11. L'un des titres n'est pas une chanson, mais un sketch, un extrait de sketch. On s'intéresse au Tibet du point de vue politique, géographique et religieux. Évidemment, tout ce qui a rapport de près ou de loin avec le Tibet en chanson et en texte, grâce à vous, 11 noms à découvrir. Je suis d'origine tibétaine. J'ai été élevé par le grand Dalai Lama. Le Dalai Lama, Serge Lama, Alain Delon sont partis au Tibet pour leur chanter Lama Delon. Depuis ma tristesse est un monde ancien, un monastère tibétain. J'aimerais tant voir Syracuse et le palais du grand Lama. Donne-moi la main. Et si tu t'y prends bien, je t'emmène avec moi sur l'Himalaya. Yaha Yeti, Yaha Yeti. Calme comme l'âme d'un vieux sage tibétain. Le Dalai Lama, le Dalai Lama, bouddhiste. Ils éclatèrent de rire sans pouvoir se calmer, ne pouvant même pas dire où se trouvait le Tibet. Et tous ces ovinés de Bosnie du Tibet qui meurent dans les abattoirs des nouveaux bergers. Combien d'êtres humains ne sont pas des moutons d'autres? Combien de nations respectent la population? On a cassé le toit du monde, craché dans les eaux du sacré. C'est la voix d'un peuple brisé, de ces moines martyrisés. Cette lignée, si elle s'éteint, avec le dernier tibétain, laisserait pour l'éternité tant de portes à jamais fermées. Bravo Serge pour ces trouvailles sur le quiz de la semaine thème tibétain, 11 interprètes à découvrir. Allez, tiens, on se tourne vers la petite nouvelle, peut-être. Vous n'étiez pas là, lors du quiz, la dernière fois. Dis-nous, Elsa. C'est la première fois. C'est la première fois que vous faites le quiz. Alors, combien vous en avez? Peut-être 7, je suis même pas sûre. Ah bah, c'est pas c'est mal, 7. Bien, allez, je vous écoute. MC Solar. Hein. MC Solar, ça en fait un. Dao, non, c'était pas Étienne Dao. Il n'y a pas Étienne Dao, non. Dave, il y a un moment. Dave, très bien, ça en fait 2. Bernard Lavillier. Non. Ah, si. Ah bon, si, si, à la fin. Ah bon? Non, non, non. C'est pas lui. Non, non, c'est pas lui. C'est Philippe Davillier. Il n'y a pas Bernard Davillier. Jérôme. Jérôme quoi? C'est Jérôme. C'est Jérôme. Ah oui, c'est Jérôme, oui, ça en fait 3. Voilà, il y avait une chanson d'Henri Salvador, mais une femme, mais j'ai pas reconnu la voix de la femme. Salvadora. D'accord. Henriette. J'ai dit Dave. Vous avez dit Dave. J'ai dit Dave, donc voilà. Ah, si vous dites 3 fois les mêmes, vous en avez 9. Non, mais les autres, c'était des mauvaises réponses. Moi, j'en ai 28. Parce que pour l'instant, vous n'en avez que 3. 28, Moustapha. J'ai multiplié tous les trucs. Je vous écoute. J'ai les Vrigels. Les Vrigels, bravo, ça en fait 4. J'ai Trio. Trio, ça en fait 5. J'ai Pagny. Florent Pagny, non. Ah merde. Et ce sera tout. Pierre Bénichoux. Ben non, moi j'avais Dave, Césaire, même si cela. Menteur. Et j'ai cru à Sylvie Vartan, pas du tout. Non. On a tous cru en Sylvie Vartan. Et Lavillier, on m'avait soufflé, mais je savais que c'était pas ça. Elsa. Ah non, pas mieux. Avant le recours Jean-Luc Lemoine, qui n'est généralement, on trouve toujours un ou deux de plus. Lui va cartonner. Non, moi j'ai pas mieux. Toujours Jean-Luc, alors. Les Inconnus. Les Inconnus, en premier, bravo. Bernard Campan. Jean-Louis Murat, non? Jean-Louis Murat, bravo, deux de plus. Isabelle Aubray. Non, il n'y a pas Isabelle Aubray. Bah c'est tout. Il en manque 4, donc 4 sur 11, ça veut dire que vous en avez trouvé 7. C'est pas mal déjà, c'est pas mal, mais enfin quand même, je m'attendais à mieux. Vous aussi, Serge? Oui, oui, vraiment, le dernier, ça, vous m'étonnez. Hein. Justement, j'avais mis assez long pour qu'on puisse le deviner. Alors attention, on va réécouter évidemment tout le quiz. Il y a
un filet garni avec des tas de cadeaux à gagner. Mmh. Vous mettez d'ailleurs dans le filet garni des choses plus personnelles, cher Serge, en tout cas des amis à vous, qui s'appellent les Grandes Bouches. C'est moi qui ai donné son t-shirt. C'est qui? C'est un trio vocal, deux garçons et une fille. C'est musical, humoristique, et c'est à l'espace Jemap du 25 mars au 5 avril à 20h30. Voilà. Donc, si vous venez sur Paris ou si vous êtes parisien, même si vous habitez en région, eh bien, vous aurez la chance peut-être d'aller applaudir les Grandes Bouches à l'espace Jemap. On met deux places pour ce spectacle, donc de trio vocal, on va dire, hein, c'est oui, ça? Oui, vocal, humoristique et musical. On va offrir toujours le livre de Raphaël, mais il va finir par être épuisé, le livre. Le livre de Raphaël Mesrahi, Préface d'imaginaire, publié chez Lattès. Et puis, comme d'habitude, des places pour la pièce de Patrick Covin, mise en scène par Patrice Lecomte, Héloïse au théâtre de l'Atelier. Et évidemment, je mets moi aussi des places pour Open Bed avec Titoff et Elisa Tovati. Et ça, c'est au Bouffe Parisien. Tout ça, c'est dans le filet garni. Rien à offrir de plus. Si, moi, j'ai des places pour mon spectacle, si vous voulez. En tournée? À Mency, samedi, ou à Oswald, en Alsace, vendredi. Si vous êtes alsacien, évidemment. Ou, banlieue parisienne, dans l'Essonne. Samedi soir, Mency. À Mency, c'est dans banlieue parisienne. Ouais, exactement. Faut y aller, quand même, à Mency. Oui, mais c'est pour ça qu'il offre des places. Vous êtes bien content. Hein, dans la région. Jérôme? Bah, si le gagnant est en âge, 5 préservatifs lubrifiés. Il y en a pour 1 euro. Non, c'est 6 d'action aujourd'hui. Vous nous les présenterez tout à l'heure. Rachel? L'album de Michel Thor? Vous offrez l'album de Michel Thor? Ouais, moi j'adore. Pourquoi vous offrez l'album de Michel Thor? Ah bah arrêtez, c'est super bien Michel Thor. Parce que t'en veux plus. C'est sa tante. Mais comment ça, c'est vous qui distribuez les albums? Mais je sais pas, comme j'en ai reçu pour mon émission quand je l'ai invité, vous offrez des cadeaux si vous voulez. Bah voilà, j'offre l'album de Michel Thor, j'ai pensé à elle. Je trouve ça sympa en fait, on t'offre des cadeaux et tu les réoffres. Ouais, parce qu'elle adore, alors elle les donne. Il y a une chanson de Michel Thor que j'adore et que j'écoute en boucle. C'est laquelle? C'est Emmène-moi danser ce soir. Ah, elle n'est pas connue celle-là en plus. Je vous comprends. Ça, c'est son dernier album, ça. C'est une nouvelle chanson. Mais elle est reprise, elle la reprend. Oui, ça, c'est elle reprend. Elle reprend en tectonique. Vous ne voulez pas alors l'album de Michel Thor? Allez, le premier ou la première qui sur Europe1.fr trouvera les 4 interprètes manquants remportera ce festival de cadeaux de l'album de Michel Thor à des préservatifs lubrifiés en passant par un séjour à Menville en banlieue parisienne. Merci. Quand même. C'est la fête. J'ai peut-être baisé du Michel Thor. Finalement, ils vont être contents de recevoir le bouquin de Mesrahi. Et n'oubliez pas les Grandes Bouches. Et les Grandes Bouches à Gemap, la pièce de Lecomte, la pièce Open. Ben non, c'est pas si mal quand même, hein, tout ce qu'on en offre. Il y a de quoi passer un bon week-end parisien. Voilà, on va dire ça. On écoute le quiz à nouveau. On ne dit plus rien autour de la table, je vous le rappelle. Maintenant, ce sont les auditeurs qui jouent et je vais essayer de vous aider pour les 4 manquants. Je suis d'origine tibétaine. Ça, c'était j'ai bien, les inconnus, le Bernard Campan. Le Dalai Lama, Serge Lama, Alain Delon sont partis au Tibet pour leur chanter Lama Delon. M. Solar. Ma tristesse est un monde ancien. Jean-Louis Murat. Un monastère tibétain. J'aimerais t'en voir Syracuse. Un apéritif rose. Et le palais. Donne-moi la main. Ça, c'était bien, et c'est si Jérôme. Si tu t'y prends bien, je t'emmène avec moi sur l'Himalaya. Yeah, yeah, yeah. C'est une vieille chanson, yeah, yeah, yeah. Mais son nouvel album vient de sortir. Calme comme l'âme. Ça, c'était bien, Dave. D'un vieux sage tibétain. Le Dalai Lama. Les Riggles, trouvés par Mustapha. Ils éclatèrent de rire sans pouvoir se calmer, ne pouvant même pas dire où se trouvait le Tibet. Et tous ces ovinés de Bosnie du Tibet. Trio, identifié aussi par Mustapha et Jean-Luc Lemoine. Combien d'êtres humains ne sont pas des moutons. Il manque les deux prochains, les deux derniers. Écoutez bien les deux derniers. La population. On a cassé le toit du monde, craché dans les eaux du sacré. Un groupe qui a une quarantaine d'années, 30 ans maintenant, 35 ans. C'est on entend pas souvent. D'un peuple brisé. Alors lui, je dis rien parce que vraiment, vous auriez dû le reconnaître. Cette lignée, si elle s'éteint, avec le dernier tibétain, laisserait pour l'éternité tant de portes à jamais fermées. Bravo Serge Liado pour ce quiz et bravo à la première ou au premier qui identifiera les 4 chanteurs manquants. J'ai bien aidé, hein, Serge. Oui, oui. Merci pour votre aide. Oui, c'est très bien. Bon, Pierre, il semble que ça vous a aidé, hein, mais on le dernier, oui. On ne dit plus rien. Ah, oui. On ne dit plus rien. Voilà, ouais. On a honte. On a Pierre honte. A reconnu Claude François. Ça va aider tout le monde, ça.
Dans un instant, les objets de Jérôme Bonaldi, mais d'abord, regardez comme je tease bien, hein, c'est du teasing, tout ça. D'abord, la chanson flash du jour et le voyage des Sarkozy en Angleterre. Évidemment. En première page des tabloïds d'outre-Manche, la photo nue de Carla fait scandale. Certains redoutent même qu'une émeute se déclenche si elle passe en revue les bonnets à poil. C'est vrai que les Anglais sont rosses, mais il s'en fout, notre Sarko. Dans Londres, on le promène en carrosse. C'est le plus beau de ses voyages de noces. Et à Windsor, on soupçonne qu'à l'heure d'aller faire dodo, il sera, Dieu lui pardonne, d'une humeur friponne. Et ils feront peut-être un gosse, et il y aura de la mise en bouteille au château. Bravo, Serge! Bravo! Merci à tous! Bien. Quoi de neuf ? Un slip. Ah, demi-aplos. Ah, enfin. Votre slip, enfin. Peut-être. Jérôme, on voulait pas t'en parler, mais ça nous fait du bien. Non, c'est peut-être le tien. Pants to Poverty. Vous savez que c'est aujourd'hui la journée, le Slip d'Action. Eh bien, celui-là, il participe, mine de rien, au Slip d'Action. D'abord, parce que c'est un slip pas tout à fait comme les autres. C'est un slip éthique et un slip... En synthétique. Non, justement, en coton bio. Un coton, vous savez que le coton, ça pue, ça pollue, ça prend de la flotte, ça fait des pesticides. Celui-là, c'est un coton éthique et commerce équitable. Ça prend la flotte. Non, ce coton-là, c'est un coton bio qui est alimenté au goutte à goutte et à 80% d'eau en moins. Pas de pesticides parce que c'est l'œil du biologique. Et en plus, fait par des petits fermiers qui sont justement rémunérés. Il faut penser à tout ça en achetant un slip. Ouais. Mais non, mais je vous l'explique. En plus, ça sent la loose ton truc. Ça s'appelle Pants to Poverty. Oui. Le mec qui met ça, quand même, il est pas au top de sa forme, non? C'est du coton bio qui est vendu commerce équitable et tout et tout. Derrière, il y a une petite poche. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite poche? Oh, un préservatif bio en latex pur. Alors, ça se vend par correspondance sur un site qui s'appelle Voice. Ah, il faut pas être pressé alors en plus pour avoir son slip. Et donc, c'est livré en 24 heures. Ah. Voilà. Même. Donc, ça va plus vite même que si tu vas. Et surtout, il y a un truc intéressant, c'est que systématiquement, quand tu l'achètes, il y a 1,30€ qui va à la lutte contre le sida pour aider les malades qui sont un peu perdus dans le monde entier. On peut pas envoyer l'argent pour la lutte contre le sida. Dans les pays en voie de développement ou dans les pays émergents qui n'ont pas d'argent. Il faut le dire jusqu'au bout, c'est pas facile parce que, sincèrement, il y a de plus en plus de gens qui sont malades dans les pays émergents et donc là, ça soigne, ça fait du bien à tout le monde. Et alors, vos préservatifs Bilove? Eh ben, ils sont pas mal parce qu'il y a 5 préservatifs pour 1€. Ah, c'est bien ça. 5 préservatifs. Là, je crois que j'en ai compte jusqu'à la fin de ma vie. Ah, je vous ai amené la caisse entière. Il y en a 4. Je vous ai amené la caisse entière. Pour les auditeurs, il y en a 4. Mais non, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, enfin, il y en a 30. 30 fois 5, il y en a 300. Une boîte de 300, ça devrait vous aller. Ouais, 300. Il y a des bombes à eau et tout. Non, c'est parce que vous vous en servez aussi. Ça vous va, 300 préservatifs? Parce que vous les lavez. Cela, ils passent à la machine. Tout ça, moi, alors. C'est pas possible, ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces préservatifs? Eh ben, avec, on fait mieux l'amour, Laurent. Ils coûtent 1€, déjà. Ils coûtent 1€ les 5. 1€ les 5, ça fait 20 centimes d'euros, si on calcule bien. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, 20 centimes d'euros. Et donc, c'est, en gros, c'est, il faut relancer la prévention, il faut continuer à dire, attention, mettez-vous, préservez-vous. Et si vous voulez, parce qu'on a baissé un peu la garde. Donnez pour, lutter contre cette maladie, ce fléau de sida. Un numéro de téléphone. SIDAction à un numéro de téléphone, vous le donnez? Le 110. Le 110 110 110, voilà. C'est facile à retenir. 110 110, le SIDAction. C'est jusque ce week-end, puisque je sais qu'il y aura une grande soirée animée évidemment par Lino Renault et Berger. Pardon? Et Pierre Berger. Ah, et Pierre, je crois que vous me disiez Michel Berger. Non, ils sont tous. He's back. Samedi soir, 110, c'est le numéro de téléphone du SIDAction. Oui. Autre chose. Le salon du modélisme. Je suis désolé, mais on ne vous a pas encore vu, alors que ça a ouvert la semaine dernière. 100 000 personnes, des jeunes, des vieux, des femmes et des hommes. Je sais que chaque année on est fébrile, mais quand est-ce que ça commence? Mais attendez, ça a quasiment autant de succès que le salon du cheval, les loisirs créatifs. Ouais. Ah, c'est dire. Et c'est pas pour dire, oui. Les loisirs créatifs, c'est jusqu'à dimanche prochain. Sincèrement, il y en a pour tous les goûts. Les femmes font de la couture, les hommes ils font du modélisme. Les hommes font de la couture, les femmes font du modélisme. Tout ça, c'est maintenant absolument pas une tranche d'âge ou un problème de sexe. Il y a
pour tous les goûts, y compris quand il fait pas beau à l'extérieur, le modélisme d'intérieur. Vous le connaissez, ça, il s'appelle Picouz. C'est un petit hélicoptère. Il est pas plus grand qu'une, il pèse 25 grammes. On dirait une libellule. Il a une grosse, un gros œil vert qui clignote. Et c'est pour faire du modélisme d'intérieur. C'est, vous le tenez à la main, hop, et ça vole. Regardez. Oh, et Picouz est très efficace. Ah, ça vous plaît? Ça marche. On dirait une petite bestiole, bien. Quoi. Lâchez-le. Vous avez failli blesser Rachel Bourlier. Oh là, oh le feu. Non mais ceux-là, c'est ceux qui volent le mieux quand même. Hein. C'est très simple, ça marche je en intérieur. Attendez, ouais. je vais le faire. Ah bah attendez. Ça y est, il est cassé. Bon, on en fait un autre. Ah ça, c'est à cause de Rachel. Hein. J'en ai un encore plus alors, petit. C'est, nous avons du modélisme et de l'éphémère. C'est juste voilà. Parce que c'est nul quoi. En fait. Mais ça ne marche pas du tout. Non, je l'ai cassé parce que je voulais montrer l'intérieur. Je voulais juste montrer comment c'était moi à l'intérieur. Moi qui voulais le garder. Hein. Ah là là. C'est dommage. Oh, vas-y, sors Daniel Balavoine de dedans maintenant. Regardez celui-là. Voilà, un plus petit un peu là. Mais tu vas me tuer avec mais les non. objets. Ça ne craint rien. Sans blaguer, c'est vraiment bien comme. Mais ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit, c'est agréable. C'est où le salon? C'est où? C'est au Bourget. C'est jusqu'à dimanche prochain. Ça amuse les gens, ça. Ça amuse les ça gens. Ça fait une sortie pour ce week-end. Oui. Ça c'est voilà. bien, Jérôme. Merci. Ah, autre chose. 80% des foyers français ont 3 télécommandes. 50% des Français ont 5 quoi télécommandes. Wow. 5 télécommandes chez eux. J'aime bien parce qu'on dit ça. Très sérieuse. Ils montrent 10. C'est une, là, c'est et pas de téléviseur. Juste pour le drame, c'est que toujours la même enquête faite par Logitech. Dans un foyer français, il y a une personne qui se sait servir des télécommandes. Une seule. Chaque foyer, et là je pense que tout le monde se dit, mais oui c'est vrai, il n'y a que lui ou elle qui sache le faire. C'est souvent lui dans chaque quand foyer même. Français, il y a, je vous rappelle, en moyenne, entre 3 et 5 télécommandes. Il y a une personne qui sait se servir de toutes. Il y a une seule personne. Du coup, Logitech, le roi de la télécommande suisse. Ils sont forts chez Logitech. Ouais, ils ont inventé une nouvelle télécommande vraiment universelle et vraiment pratique à utiliser. Non, on avait beaucoup de all-in-one, on avait beaucoup de apprenez, c'était compliqué, il fallait oui, avoir son ça bac. Ça n'existe pas. La télécommande universelle, il y a toujours des fonctions qui manquent. Si t'as un lecteur de DVD, un truc un petit peu pointu, ça ne marche jamais. Combien elle coûte, elle se trouve où? Elle se trouve chez toutes les Fnac, Boulanger, Darty. Parfait. Et elle coûte un petit peu plus cher que toutes les autres réunies, un petit peu moins cher que toutes les autres réunies, mais un petit peu plus cher que. Je vous signale que si jamais demain combien matin vous il cassez. Il ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire en fait. 90 euros. Mais ça les vaut. Waouh! Eh oui, mais attendez, elle est universelle. Et si elle tu la casses, et si tu la casses, il n'y a plus rien écrit dans l'acteur DVD. Eh bien, justement, vous gardez les anciennes. On a un caleçon avec ou? Stacy Kent est ce soir et demain à la Cigale. Elle a déjà vendu 100 000 albums. Son album s'appelle Breakfast on the Morning Tram. Et la chanson qu'on écoute maintenant sur Europe 1, c'est Petit Rien. Stacy Kent, elle cartonne en ce moment. Pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien de tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. J'avais rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup.
Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux plus rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. On va se gêner, Laurent Ruquier, tout de suite après la pub. Avec Mustapha El Atrassi qui a lu les journaux, people, pour nous vouler des encouragements avant de commencer, Mustapha. Ah bah oui, ça fait toujours plaisir. Allez, voilà. Il est un peu cabot, hein. Formidable, Mustapha. Bon, bah, j'ai lu à peu près toutes les presse people cette semaine. Alors, attention, puis vous avez deux expertes avec vous, hein, parce que. Ah oui, Rachel et Elsa, et vous pouvez pas leur raconter n'importe quoi. Alors, c'est parti. Parce qu'elles en passent du temps dans les salons de coiffure. Alors, bon, écoutez, cette semaine, dans la presse people, j'ai tout lu, rien sur Diams, mais alors rien du tout, qui, on le rappelle, la semaine dernière, a pété un plomb littéralement dans les locaux de Voici, parce qu'il respectait pas son intimité. Ah oui, c'est elle est allée sur place, elle a expliqué qu'elle s'est déplacée, elle a pété la gueule du rédacteur en chef. Ah oui, elle s'est fâchée. C'est la merde dans tout le rap féminin, finalement. Parce que Coxy aussi, très récemment, est parti à Voici pour leur péter la gueule. Mais pour autre chose. En fait, c'est parce que les photographes de Voici veulent jamais la prendre en photo. Et c'est vrai que Diams, elle, c'est une vraie star comparée à Coxy. Et moi, ça me fatigue parce que toutes les semaines, je dois faire des trucs sur la presse people. Et la plupart des mecs dont ils parlent, je les connais pas. Ça, moi non plus. Hein. Toi, à chaque fois, ça nous arrive. Par exemple, j'ai appris, alors là, je lisais tranquillement, et j'ai appris que Hugh Laurie va mal, mais il se soigne. Ah, mais c'est Dr. House, Hugh Laurie. Ouais, tu vois? Alors, tout le monde est rassuré, finalement. Même Dr. House, je sais pas ce que c'est, moi. C'est Dr. House qui cartonne. Ah, faut le savoir, vraiment. Moi, j'avais jamais entendu parler de lui, mais je pense que la France est rassurée à l'idée de que Hugh Laurie va beaucoup mieux. Et en parlant de ça, on est tous contents aussi de savoir que Lucie de la Starac qui allait très mal, s'est fait opérer d'une tumeur. Ouais. Elle va beaucoup mieux. Alors, j'ai lu un peu dans le public qui elle l'a soutenait. On a appris que Magali Vahey la soutient. Hein, on est tous très rassurés. Et Lucie a promis de remercier Magali Vahey le jour où elle se souviendra qui c'est. Et bon, moi, j'ai bien regardé tout ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte aussi que nos people s'engagent aussi cette semaine. Il y a Evangélie, hein, à propos de Chantal Sébir, qui a déclaré qu'il fallait boycotter les Jeux Olympiques en euthanasie. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudrait qu'elle nous explique. Et on rappelle que les moines tibétains en chient. Hein. Vraiment, c'est dur pour eux. Ils souffrent, ces mecs-là. Moi, je suis à fond avec eux. Les moines tibétains, c'est quoi? C'est des mecs qui s'habillent tout le temps de la même façon et qui baissent pas. En fait, Geneviève de Fontenay aurait pu être un moine tibétain. On a appris aussi que Laurent Ruquier arrête son émission sur France 2. Hein, préciser que c'est la quotidienne parce que Berne va aussi postuler pour le samedi soir. Il est déjà sur le coup, Laurent. Non, mais voilà, c'est une émission qui s'arrête. On n'a pas tout dit. Où il y avait énormément de chroniqueurs, à peu près 800. On est désolé que ça s'arrête. Hein, avec tous les gens que tu faisais travailler, on se dit que le chômage en France va augmenter de 9% à peu près. Et on se demande pourquoi cette émission s'arrête tout d'un coup. Hein. Peut-être le départ d'un chroniqueur de talent sur une chaîne concurrente. Va savoir. En tout cas, pour finir. Ça a failli sauver l'émission, ça, au contraire. C'est vrai. On a failli continuer. Et pour en finir avec la télévision, ça marche pas très bien pour Foucault en ce moment, mais TF1 travaille sur une nouvelle émission qui va s'appeler Qui veut perdre des milliards, présentée par Jérôme Kerviel. On applaudit Mustapha et la Tracy. Merci. Allez, une dernière question avant le flash, plus que le flash, le journal de 18h, le 18-20. Qu'est-ce que vous pouvez aller voir, Porte de Versailles, dont Jérôme Bonaldi, étonnamment, ne nous a pas encore parler. C'est donc salon. De l'érotisme. Salon de l'érotisme. Le salon de l'érotisme. Non. Il y a non. Que des hôtesses de l'air à poil. Non. Du bricolage. Le bricolage, ça aurait pu intéresser Bonaldi. Oui. C'est pas Batimat non plus. Alors, vous le savez, Jérôme. Non, je ne sais pas, sincèrement. Oh, quand même. Alors là, c'est la un honte. Un salon actuellement. Le salon du modélisme. Un salon qui est ouvert en ce moment de 10h à 19h. À Paris, et c'est jusqu'à samedi. Là, vraiment. Il y a le salon industrie, mais non, c'est à la fin du Le salon de Jérôme Bonaldi. En plus, vous êtes
personnellement concerné. Autonomique. C'est vous qui l'avez organisé, même. C'est le salon. Oh là là. Mais oui, j'y étais. C'est les seniors, pardon. Le salon des seniors. Le salon des seniors. Ah oui, c'est pas des seniors. Les seniors. Mais oui, seniors. Bah alors, mais vous qui travaillez sur Vivolta, oui, c'est bien la chaîne des seniors. On est sponsor en plus. Ah bah oui, forcément. Vous avez un stand là-bas. Non, mais on a présenté. Vous aviez présenté, vous, en avant-plan de votre émission de télévision. Vous savez, le fameux ordinateur écran tactile qui est la vedette du salon là-bas, senior. Qui s'appelle Weck, Weck, je ne sais pas comment on doit prononcer, ça s'écrit W-H-E-K-E, et dont on voit la photo partout dans la presse aujourd'hui à l'occasion de son entrée dans un musée. Ma question est très précise, hein, là, il y a pas mal d'indices quand même. Ça se passe pas en France, ça. Ça se passe en France. En France. Le mec s'appelle Weck. C'est pas le musée. Weck, W-H-E-K-E. Alors, je ne sais pas, on prononce Weck, Weck. C'est un nom du Nord. C'est un ch'ti. Pas un nom spécialement du Nord. Il rentre au musée Grévin, c'est ça? Non, pas au musée Grévin. C'est un surnom. C'est peut-être si vous trouvez le musée. C'est un homme ou pas? Ce n'est pas un homme. Au grand palais, animal? C'est pas au grand palais. Le calmar géant? Le calmar géant. Bonne réponse déjà. Fire. On dit calamar. Incroyable. Non, hier à France 2, il disait calmar. Moi, je dis calamar géant. Vous aussi, vous dites calamar géant. Moi, je dis calamar, oui. Ça s'écrit calmar. On dit les deux. C'est écrit dans Le Parisien calamar. Hier sur France 2, il disait calmar. Je crois que les deux sont acceptés. Maître Capello. Il y a même qui disent colmar. Donc, oui, l'un et l'autre se dit ou se disent. Oui, colmar. Oui, ça n'a rien à voir, mais en tout cas, ça se dit aussi. Ils ont donné un nom au calmar, en tout cas, ou au calamar. C'est le Muséum national d'histoire naturelle qui accueille ce calamar géant depuis hier, plus de 6 mètres de long, quand même. Incroyable. Vous vous rendez compte un peu? Sacré bête. T'imagines la sauce qu'il faut? Alain Bernard va venir avec sa mayonnaise. tous les grands navigateurs comme Kersauzon disent qu'ils en ont vu un une fois et que c'est la chose la plus impressionnante qui soit. C'est plus impressionnant qu'une baleine ou quelque chose. Ouais. C'était énorme, mais c'est surtout, ça a l'air menaçant parce que c'est le nombre de petites mains qu'ils ont. Et en plus, c'est carnivore. Le calamar est fourbe. Hein, on le dira jamais le assez. Le calamar est fourbe, surtout en dessous Tinta. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce calamar-là, c'est pas une reproduction, c'est pas comme au musée Grévin de la Cire, c'est le vrai qui a été formalisé. Oui, parce qu'il avait refusé de poser. Donc il n'est pas rentré au Grévin. Une dernière question pour tester la science de Jean-Luc Lemoine, mais elle va être très rapide. Pourquoi surnomme-t-on déjà Denis Renault le Ladislas Lozano du moment? Parce que Ladislas Lozano, c'était l'entraîneur de Calais qui a été en finale de la Coupe de France et Denis Renault, c'est l'entraîneur de Carquefou qui va prendre le Paris Saint-Germain en quart de finale. Excellente réponse de notre spécialiste football Jean-Luc Lemoine. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.